Aujourd'hui, alors, nous avons à faire des choses à voir, des choses à la fois amusantes et récréatives, mais aussi très délicates, tout à fait délicates. Donc, il me faut toute votre attention pendant un certain temps. Mais d'abord, on vient de me dire que l'un d'entre vous souhaitait poser une question sur quelque chose. Hein? C'est quoi la petite question? La petite question, c'est que lorsque l'on a connu, à la fin du XVIIe siècle, connu un taux de calcul infinitésimal en France et en Europe de manière générale, on a élevé un certain nombre d'objections qui portaient sur ceci, que certes ce calcul permettait de résoudre d'une manière plus simple un certain nombre de problèmes de géométrie, par exemple trouver la tangente à certaines courbes, à des paraboles par exemple, mais que ce calcul était très louche parce qu'il faisait intervenir des quantités qui n'avaient pas d'existence géométrique, qui n'avaient qu'une existence virtuelle. À quoi les partisans du calcul infinitésimal, les partisans d'Leibniz, des gens comme Bernoulli, comme le marquis d'Hôpital, répondent que ce qui importe, ce n'était pas les quantités d'X, qui étaient effectivement des quantités évanouissantes par rapport à X ou des Y par rapport à Y, mais que ce qui importait, c'était le rapport des Y sur des X. Alors la question que je voudrais poser, c'est est-ce que vous voyez un rapport entre cette manière de considérer un rapport qui porte sur des variables non qualifiées, des variables abstraites, et ce que vous avez dit il y a 3 mois sur l'axiomatique du capitalisme industriel comme reposant sur une fonction qui consiste à établir des relations fonctionnelles qui portent également non pas sur des variables, mais sur des rapports entre variables qui dans ces rapports ne sont pas qualifiés, mais qui sont des variables abstraites. Est-ce que... Très clair. La question est très claire. Oh. J'ai, si vous voulez, des éléments de réponse. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Eh ben alors, si tu répondais d'abord. Je sens que ça ne va pas être la même. On pourrait répondre en même temps. Chacun une phrase. Comme tu veux. Comme tu veux. Alors, tu réponds, pour que je puisse dire que ta réponse, elle n'est pas juste. Tu réponds. La réponse, c'est que, moi je dirais que dans une certaine mesure, oui, mais que intervient avec ce que vous avez appelé axiomatique, un terme que vous rappelez par façon de intervient quelque chose qui n'intervient pas encore dans le cas de l'analyse, et qui sera l'identification, la fusion de deux choses, la condition et la fonction. Et qui s'opère à la fin du XVIIIe siècle de manière indépendante chez plusieurs auteurs, et en particulier, j'ai été voir chez 2 auteurs, le statut de la fonction comme condition chez Kant dans la table des catégories, dans la définition de la table des catégories à partir de la table des jugements. Il dit sur la fonction quand il dit qu'il y a autant de catégories que de jugements dans l'environnement. Et d'autre part, chez Cuvier, la conception de la fonction ou de l'ensemble des fonctions comme condition d'existence d'un animal. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on raconte, Cuvier n'a jamais cru, n'a jamais dit qu'il y avait 4 plans dans le règne animal. Il a toujours dit qu'il y avait un plan abstrait qui se diversifiait en 4 modes fondamentaux de réalisation. Et ce plan abstrait, c'est celui de la fonction, contrairement à un autre plan qui sera développé à la même époque par d'autres naturalistes, c'est-à-dire d'autres sources d'inspiration. C'est-à-dire, moi j'ai dit, il manque quelque chose de calcul infinitésimal pour que ce soit vraiment une axiomatique fonctionnelle, un ensemble de relations fonctionnelles portant non sur des variables de qualité, sur des variables de qualité, mais sur des rapports entre variables de non qualité et abstraites. Ce quelque chose qui manque, c'est la fusion de la notion de fonction et de la notion de condition. Comme dans la philosophie transcendantale, la fonction comme unité du divin sera la condition de l'expérience. Pour que l'expérience est possible, pour que l'expérience soit possible, il faut admettre qu'il y a un sujet transcendantal qui est défini ça par ses fonctions, tout comme j'ai dit, l'être vivant est défini par une table des fonctions. Très clair, très clair. Très clair. Mais la réponse m'apparaît, beaucoup plus large que la question. Parce que ta réponse consiste à faire un concept très complexe ou très mélangé de fonctions.
que le concept de fonction lui-même, il est très difficile, puisque tu invoques dans ta réponse à la fois les fonctions logiques du jugement, la manière de Kant, une certaine conception biologique de la fonction, à la manière de Cuvier et des naturalistes, et tu sous-entends la fonction mathématique. Oui, alors ça fait un drôle de concept. On a avancé il y a 3 ans dans une thèse, quelqu'un qui s'appelle Bernard Bannon a écrit une thèse qui, pour l'instant, on n'a pas écouté, sur ce que Cuvier d'Arnoux, la première partie est sur Cuvier, et il prétend démontrer que la fonction, au sens où la prend Cuvier, est d'origine mathématique. Ouais. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. La complexité du concept de fonction de l'âme. Quant à la question même, je dirais ceci. D'abord, c'est très... Il me semble qu'on ne peut pas dire, à la fin du XVIIe et au XVIIIe siècle, il y a des gens pour qui le calcul différentiel est un artifice, et des gens pour qui le calcul différentiel représente, au sens quelconque de représenter, représente quelque chose de réel. On ne peut pas dire ça parce que la coupure, il me semble, n'est pas là. Elle n'est pas là, je prends un exemple simple, quelqu'un qui croit que, en laissant dans le vague tout à fait, quelqu'un qui croit vraiment au calcul différentiel comme Leibniz. Leibniz n'a jamais cessé de dire le calcul différentiel est un pur artifice. C'est un système symbolique. Donc sur ce point, tout le monde est strictement d'accord. Là où commence le désaccord, c'est dans la compréhension de ce qu'est un système symbolique. Mais quant à l'irréductibilité, ça j'ai essayé de le dire la dernière fois, quant à l'irréductibilité des signes différentiels à toute réalité mathématique, c'est-à-dire à la réalité géométrique, arithmétique et algébrique, tout le monde est d'accord. Là où ça fait une différence, c'est lorsque les uns pensent que dès lors, le calcul différentiel n'est qu'une convention, et une convention très louche. Et ceux qui pensent que, au contraire, son caractère artificiel par rapport à la réalité mathématique lui permet d'être adéquate à certains aspects de la réalité physique. D'accord ? Ça, c'est très lourd de conséquences, parce qu'alors là, si le calcul différentiel a connu ses principaux succès dans ses applications à la mécanique, national au cours du XVIIIe siècle, il y a aussi des historiens des mathématiques qui estiment que Leibniz a fermé une possibilité qui était donnée au XVIIe siècle avec ce que Maurice Merleau-Ponty appelait la manière innocente de penser l'infini, par exemple chez Spinoza dans la famille de Lacan, et que Leibniz aurait en quelque sorte fermé la possibilité d'un infini qui serait autre chose que l'infiniment petit du calcul infinitésimal, et qu'il faut attendre 2 siècles pour retrouver beaucoup plus tard dans les théories transcendistes comme Eric Cantor à la limite. À savoir l'idée d'un infini qui serait un infini en acte et qui serait qualitatif, c'est-à-dire qui serait non dénombrable, mais qui comporterait une infinité d'éléments qui pourtant seraient situables entre un maximum et un minimum. Et ça, j'ai trouvé ça un exemple chez les auteurs de l'époque. En particulier, il y a des auteurs qui disent dans un cône de base circulaire, vous pouvez mettre une infinité de cercles qui sont des cercles distincts, mais que vous ne pouvez pas dénombrer, mais pourtant, vous pouvez assigner plus grand et plus petit, à savoir le plus grand se confond avec la base, le plus petit se confond avec le sol. Enfin, ce qui rappelle un exemple qui est donné par Spinoza à la fin de la lettre à l'Univers, justement, et qui est un infini qui a l'air plus qualitatif. Pour résumer ma position, est-ce que Leibniz n'aurait pas dépassé la quantité extensible dans le sens d'une quantité évanouissante, alors que d'autres auraient donné au XVIIe siècle déjà la possibilité, aurait offert la possibilité de penser, de dépasser plutôt la quantité extensive, non pas vers la quantité intensive, mais vers la qualité, vers un infini proprement qualitatif et non numérique. On peut imaginer ce que Leibniz dirait si il entendait ça. Parce que quand même, jamais Leibniz, je fais aussi cette précision qui me paraît la pure faite, jamais Leibniz n'a pensé que son analyse infinitésimale, son calcul différentiel, à lui, tel qu'il le concevait, suffisait à épuiser
le domaine de l'infini tel que lui, Leibniz, le concevait. Par exemple, même au niveau du calcul, il y a ce que Leibniz appelle, on en parlera un petit peu aujourd'hui, le calcul du minimum et du maximum, qui n'est pas du tout une dépendance du calcul différentiel. Donc le calcul différentiel chez Leibniz correspond à un certain ordre d'infini. Quand tu réclames un infini qualitatif, ou la possibilité d'un infini qualitatif, en disant « Leibniz a fermé la porte à une telle analyse », ça me paraît tout à fait inexact, ça. Car s'il est vrai que l'infini, un infini qualitatif ne peut pas être saisi en effet par le calcul différentiel, en revanche, Leibniz est tellement conscient de ça qu'il instaure d'autres modes de calcul relatifs à d'autres ordres d'infini. Et seconde remarque qui me semble purement de fait, ce qui a liquidé cette direction de l'infini qualitatif, ou même de l'infini actuel tout court, c'est pas Leibniz qui l'a bouché. D'après les exemples même que tu cites, la lettre à Meyer, l'histoire du cône et des cercles, l'histoire de tout ce qu'on peut appeler le calcul du maximum et du minimum, dans toute cette histoire, ce qui a bouché cette voie, à mon avis, c'est, mais au profit d'autres avantages, c'est ce qu'on appelle la révolution kantienne. C'est la révolution kantienne qui a imposé une certaine conception de l'indéfini et qui a amené la critique la plus absolue de l'infini actuel. C'est la faute de Kant, ce que tu dis, c'est pas du tout la faute de Leibniz. Là, il y a un siècle d'écart. Tu peux expliquer pourquoi, par exemple, un mouvement comme celui de Bussard, de Pascal, qui trouve encore ses prolongements dans la seconde moitié, sera étouffé avec quelqu'un comme Leibniz. Pour la raison qu'on vient de dire, le caractère diabolique du calcul différentiel. Comment est-ce qu'un artifice, comment est-ce qu'une convention peut être en même temps ce qui va nous permettre de pénétrer les secrets de la nature elle-même? Vous pensez que Desartes, s'il avait connu la pensée, avec lui, bah, évidemment non. Évidemment non, il la connaît. Il raconte que lors de l'une des réunions qui se tenait, je ne sais pas si c'était pas chez Mensen, mais chez Pierre de Carcadou, qui avait passé dans le centre de réunion, qui était la partie au milieu du 17e siècle, il y avait une discussion sur la question de savoir s'il fallait accorder une réalité ontologique au point géométrique. Et Desargues avait, de pied ferme, défendu la réalité ontologique. Pour comprendre ces problèmes, une fois de plus, c'est pas que je me sens en désaccord avec ce que tu dis, c'est que ça prend tout de suite une dimension très, comment dire, abstraite, ce que tu dis. Il me semble que c'est juste, c'est pas faux, là, ce que tu viens de dire. Mais on peut pas le comprendre si on voit pas en même temps quel problème pratique ça sous-tend. Alors, quand tu poses la question, qu'est-ce que Desargues aurait dit, mathématicien géomètre qui a précédé donc Leibniz et qui précède la découverte du calcul différentiel, qu'est-ce que Desargues aurait dit devant le calcul différentiel? Je dis, historiquement, c'est gênant ce genre de questions, parce qu'il n'y a pas le moment où il n'y a pas de calcul différentiel et puis le moment où il y en a un. Mais non, c'est pas un... Quand il n'y a c'est pas... C'est une conception synthétique ou une conception analytique. C'est ça la différence. Quand il n'y a pas le calcul différentiel, ils ont un calcul qui sert à la même chose, qui n'a pas la perfection symbolique qui a, et qui existe depuis les Grecs. Pas un calcul analytique, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Parce que hier, j'étais avec quelqu'un, on a trouvé la tangente à une parabole suivant la méthode leibnizienne, mais je suis persuadé que Desargues, Pascal ou Lahire auraient eu la possibilité de résoudre le même problème suivant la méthode grecque, en écrivant des rapports qui ne font pas intervenir le rapport des Grecs sur les Grecs. De manière purement géométrique. De manière purement purée. Non. Alors, s'il y avait traité des sections coniques avant le calcul. Avec quelle méthode? Écoute, là, tu es en train de dire n'importe quoi. C'est très simple, les problèmes de géométrie. Vous avez deux types de problèmes, enfin, à cette époque-là, que ce soit au Moyen-Âge, que ce soit chez les Grecs déjà, vous avez deux types de problèmes. Les problèmes où il est question de trouver des lignes dites droites et des surfaces dites rectilignes. La géométrie et l'algèbre classique suffisent. Vous avez des problèmes et vous obtenez les équations nécessaires. C'est ce qu'on appelle, Leibniz en parle, c'est la géométrie, si vous voulez, d'Euclide.
Euclide, Apollonius, toute une direction de la géométrie. La géométrie n'a pas cessé de se trouver, déjà chez les Grecs, mais au Moyen-Âge aussi, et ça se complique de plus en plus, devant un type de problème d'une autre nature. C'est lorsque il faut chercher et déterminer des courbes et des surfaces curvilignes. Là, tous les géomètres sont d'accord, les méthodes classiques de la géométrie et de l'algèbre ne suffisent plus. Les Grecs, donc, déjà pour traiter ces problèmes, doivent inventer une méthode spéciale. C'est ce que l'on a retenu sous le nom, en gros, de méthode d'exhaustion. Cette méthode d'exhaustion, qui permet de déterminer les courbes et les surfaces curvilignes, en tant qu'elles donnent des équations à la lettre de degrés variés à la limite infinie, une infinité de degrés variés dans l'équation, et bien, c'est ces problèmes-là qui vont rendre nécessaire ou qui vont inspirer la découverte du calcul différentiel et la manière dont le calcul différentiel prend le relais de la vieille méthode d'exhaustion. Si vous ne rattachez pas, si vous rattachez un système mathématique, un symbolisme mathématique, à déjà une théorie, si vous ne le rattachez pas aux problèmes pour lesquels il est fait, sans la soirée-là, on ne peut plus rien comprendre. C'est pour ça que j'insistais énormément sur le point suivant. Le calcul différentiel, il n'a de sens que si vous avez, et si vous vous trouvez devant une équation dont les termes sont à des puissances différentes. Il n'est pas question que si vous n'aviez pas des équations dont les termes sont à des puissances différentes, du type x2y, si vous n'avez pas ça, mais non seulement c'est un non-sens de parler de calcul différentiel, mais il n'est même pas question que ce symbolisme soit créé. Ce serait un non-sens. Ce serait un pur non-sens. Alors, c'est très bien de considérer la théorie qui correspond à un symbolisme, ou impliquée par un symbolisme. Mais vous devez aussi considérer complètement la pratique. Quelle pratique ? Quand tu invoques des argues, c'est évident que des argues, il a besoin de quoi ? Et par rapport à quoi ? Il a besoin en effet déjà d'un symbolisme que lui est forcé de créer. Parce que la méthode d'exhaustion ne lui suffit pas. C'est précisément, mais pour des problèmes vraiment de taille de pierre. Des problèmes de, en gros, d'arrondissement, des problèmes de voûte. Comment faire une voûte, tout ça. Il y a toute une pratique là. Le calcul, l'analyse infinitésimale aussi, à mon avis, on ne peut rien comprendre si on ne voit pas que précisément. C'est pour ça que j'essaie d'insister énormément là-dessus, que toutes les équations physiques sont par nature des équations différentielles. Un phénomène physique ne peut être étudié. Et là, Leibniz sera très fort, vous comprenez, parce que tout le thème de Leibniz en physique, ce sera Descartes ne disposait que de la géométrie et de l'algèbre, et de ce que Descartes lui-même avait inventé sous le nom de géométrie analytique. Mais si loin qu'il ait été dans cette invention, ça lui donnait à la rigueur le moyen de saisir les figures et le mouvement, et encore, les figures et le mouvement sous l'espèce rectiligne. Or, l'ensemble des phénomènes de la nature étant finalement des phénomènes de type curvilinéaire, ça ne marche pas. Descartes, il en reste bon, à la figure et au mouvement. Là, il se traduira, c'est la même chose, dire la nature procède de façon curviligne, ou dire au-delà des figures et des mouvements, il y a quelque chose, à savoir le domaine des forces. Et au niveau même des lois du mouvement, Leibniz va tout changer, grâce spécialement au calcul différentiel. Quand il dira, ben non, ce qui se conserve, c'est pas MV, c'est pas mouvement-vitesse, hein, c'est pas masse-vitesse. Ce qui se conserve, c'est MV2. Alors bien, comprenez que là, quand on retrouvera ce thème, la seule différence dans la formule étant l'érection de V à la racine carrée, à la puissance 2, c'est rendu possible par le calcul différentiel, parce que c'est le calcul différentiel qui permet la comparaison des puissances hétérogènes. Donc, il ne faut même pas dire à ce moment-là pourquoi Descartes n'a pas vu que ce qui se conservait, c'était MV2. Pourquoi est-ce qu'il a cru que c'était MV ? Descartes, évidemment, n'avait pas le moyen technique de dire MV2. Ce n'était pas possible.
MV2, du point de vue du langage et de la géométrie et de l'arithmétique et de l'algèbre, est un pur et simple non-sens. Vous me pouvez dire MV2. Alors aujourd'hui, tout change. Vous connaissez là que le peu qu'on sait en science est évidemment très gênant. Parce qu'une fois que les découvertes sont faites, pas difficile, on peut toujours expliquer que ce qui concerne les MV2 sans aucun appel à l'analyse infinitésimale. Ça se fait dans tous les manuels de lycée. Pas besoin. D'accord. Pour le trouver, pour que la formule ait un sens, pour que la formule soit autre chose qu'un non-sens, il faut tout l'appareil du calcul différentiel. Enfin voilà. Ah oui, ça j'ai oublié ça. Écoute, ouais, pourquoi pas. Mais je ferai un peu la même réclamation tout à l'heure. Ce que tu dis en tant que schéma théorique peut être très intéressant, mais à charge pour toi de tenir compte de certains faits. Dans le domaine calcul différentiel axiomatique, moi, le fait sur lequel j'aurais tendance à insister, enfin qui me paraît un fait historique, c'est ceci. C'est que le calcul différentiel et l'axiomatique ont bien un point de rencontre, mais ce point de rencontre est de parfaite exclusion. Je veux dire que, historiquement, c'est très tardivement que se fait ce qu'on appelle, ou ce que certains historiens des mathématiques appellent, le statut rigoureux du calcul différentiel. Le statut rigoureux du calcul différentiel, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout ce qui est convention, ou du moins tout ce qui est... gardons le mot très vague de convention. Tout ce qui est convention, est expulsé du calcul différentiel. Or, qu'est-ce qui est convention ? Même pour Leibniz, qu'est-ce qui est artifice dans le calcul différentiel ? Artifice, c'est tout un ensemble de choses. L'idée d'un devenir.
l'idée d'une limite du devenir. L'idée d'une tendance à approcher de la limite. Tout ça, c'est considéré par les mathématiciens comme des notions absolument métaphysiques. L'idée qu'il y a un devenir quantitatif. L'idée qu'il y a une limite de ce devenir. L'idée qu'une infinité de petites quantités s'approche de la limite. Tout ça, c'est considéré comme des notions absolument impures, donc réellement non axiomatisables. Donc, dès le début, je me dis, le calcul différentiel, historiquement, que ce soit chez Leibniz, que ce soit chez Newton, et chez leurs successeurs, n'est pas séparable, ni séparé, d'un ensemble de notions jugées non rigoureuses et non scientifiques. Et eux-mêmes sont tout prêts à le reconnaître. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'à la fin du 19e et au début du 20e, le calcul différentiel ou l'analyse infinitésimale est dite recevoir un statut rigoureusement scientifique. À quel prix? On en chasse toute référence à l'idée d'infini. On chasse toute référence à l'idée de limite. On chasse toute référence à l'idée de tendance à la limite. Qui c'est qui fait ça? C'est-à-dire, on va donner une interprétation et un statut du calcul qui est très curieux parce qu'il cesse d'opérer avec des quantités ordinaires et on en donne une interprétation purement ordinable. Dès lors, ça devient un mode d'exploration du fini comme tel. Toute l'interprétation du calcul est changée. C'est un très grand mathématicien qui fait ça, c'est Weierstrass. Mais c'est très tardif, hein. Au point que, dans une axiomatique alors, lui il fait une axiomatique du calcul. À quel prix? Il le transforme complètement. Au point qu'aujourd'hui, lorsque on fait du calcul différentiel, il n'y a plus aucune référence aux notions d'infini, de limite et de tendance à s'approcher de la limite. Plus aucune référence à ces choses-là. Il y a une interprétation statique, il n'y a plus aucun dynamisme dans le calcul différentiel, c'est la grande conquête Weierstrass, une interprétation statique et ordinale du calcul. Vous trouverez, pour ceux que ce point intéresserait, il y a un livre qui, à la fin, comporte des appendices. Et il y a tout un appendice à la fin de ce livre sur la manière dont l'interprétation actuelle du calcul différentiel se passe de toute référence aux notions d'infini ou infiniment petit. C'est le livre de Wiemann, V-U-I-2-L-E-M-I-N, qui s'appelle « Philosophie de l'algèbre ». Bon, alors là, il me semble que ce fait est très important pour nous, parce que ça doit bien nous montrer que les rapports différentiels, bien plus. Ça, tous les mathématiciens en étaient d'accord, même avant l'axiomatisation du calcul. Que le calcul différentiel interprété comme méthode d'exploration de l'infini était une convention impure. Et encore une fois, je ne cesse pas de le dire, Leibniz est le premier à le dire. Alors, simplement, exploration impure, il faut savoir quelle est alors à ce moment-là la valeur symbolique. Mais du point de vue et dans le nouveau sens que l'axiomatique donne à symbolique, c'est en expulsant tout ce domaine impur. Alors, je peux dire l'axiomatique, vraiment, les relations axiomatiques et les relations et les rapports différentiels, ben non, ils ont absolument, je me souviens un mathématicien du 19e, par exemple, qui dit encore, c'est une expression, il dit oui, le calcul différentiel, ça a toujours été une hypothèse gothique. Hypothèse gothique, il n'y avait pas pire injure pour un mathématicien, une hypothèse gothique. Et sur ce point, bon, jusqu'à ce que le calcul reçoive. Or, donc, en sens, je dirais, il y a opposition. Il y a opposition entre les rapports différentiels tels qu'ils sont interprétés jusqu'à la fin du 19e et les exigences d'une axiomatique. Alors, ça n'empêche pas que, en effet, pourquoi? Parce que l'infini a complètement changé. De sens, de nature, et finalement il est complètement expulsé du calcul. Alors ce que tu dis c'est très possible, mais à condition que presque tu arrives à montrer, il me semble, le point sur lequel porte l'opposition entre un ensemble de relations axiomatiques et les rapports différentiels.
Alors, moi, j'ai bien juste là une vague idée, mais enfin. Tu veux, il me semble qu'un rapport différentiel du type dy sur dx est tel que on l'extrait de x et y. Bon. En même temps, dy, ça n'est rien par rapport à y, c'est une quantité infiniment petite. Dx, ce n'est rien par rapport à x, c'est une quantité infiniment petite. En revanche, dy sur dx, c'est quelque chose. Mais c'est quelque chose de tout à fait autre que y sur x. Par exemple, si y sur x, comme tu l'as très bien dit, si y sur x désigne une courbe, dy sur dx désigne une tangente. Encore pas n'importe quelle tangente. Bon. Je dirais donc que le rapport différentiel est tel que il ne signifie plus rien de concret. Il ne signifie rien de concret par rapport à ce dont il est dérivé, c'est-à-dire par rapport à x et y, mais il signifie autre chose de concret. C'est par là qu'il assure le passage aux limites. Il assure autre chose de concret, à savoir un Z. Bien sûr que non. Ah, ben, me complique pas les choses, je ne dis pas que c'est forcément curviligne. Comprenez ? C'est exactement comme si je disais, bon, calcul différentiel, il est complètement abstrait par rapport à une détermination du type A sur B, mais en revanche, il détermine un C. Tandis que la relation axiomatique, non. La relation axiomatique, elle est complètement formelle de tous les points de vue. De tous les points de vue. Si elle est formelle par rapport à A et B, elle ne détermine pas un C qui lui serait concret. Donc, elle n'assure pas du tout un passage. Vous voyez, ce serait toute l'opposition classique entre genèse et structure. L'axiomatique, c'est vraiment la structure d'une pluralité de domaines. Une structure commune à une multiplicité de domaines. Le calcul différentiel à ancienne manière... Les fonctions d'axiomatique, c'est les relations qui portent sur un autre type de relation, qui sont les relations du domaine d'axiomatique. D'accord, d'accord. C'est les relations qui portent non pas sur les variables, mais c'est des rapports entre variables. Un peu comme, mais la différence est plus importante que la ressemblance. Il me semble. Bon, allez, on y va. Eh bien, la dernière fois, vous vous rappelez peut-être, on en était donc juste à mon second grand titre. Et ce second grand titre portait sur substance, monde et compossibilité. Et on avait vu la première partie de ce grand titre. Et la première partie, ça essayait de dire qu'est-ce que c'est que Leibniz appelle l'analyse infinie. Et la réponse était ceci, notre réponse, mais on avait cherché beaucoup, notre réponse était ceci, c'est que l'analyse infinie, eh bien, a trait à ceci ou remplit la condition suivante, elle apparaît dans la mesure où la continuité est les petites différences ou différences évanouissantes se substituent à l'identité. C'est lorsque l'on procède par continuité et différences évanouissantes que l'analyse devient proprement analyse infinie. Donc on avait essayé d'expliquer pourquoi, je ne reviens pas là-dessus. Et je tombe sur le deuxième aspect de la question. Dès lors, bon, vous voyez, il y aurait analyse infinie, et il y aurait matière à analyse infinie lorsque je me trouve devant un domaine qui n'est plus directement régi par l'identique, par l'identité, mais un domaine qui est régi par la continuité et les différences évanouissantes. Au moins, on arrivait à une réponse relativement claire. D'où, deuxième aspect du problème, eh ben, qu'est-ce que c'est que la compossibilité? Qu'est-ce que ça veut dire? Deux choses sont compossibles ou au contraire sont incompossibles. Et là, on voit bien en quoi le problème est lié. Encore une fois, là, Leibniz nous dit, Adam non pécheur, un Adam qui n'aurait pas péché, c'est possible en soi,
mais ce n'est pas compossible avec le mode existant, avec le monde existant. Donc, il se réclame d'une relation de compossibilité qu'il invente. Vous sentez que c'est très lié à l'idée d'analyse infinie. Bon, mais quand il faudrait le montrer, il faudrait... Pourquoi, où est le problème? Le problème, c'est que l'incompossible, à première vue, ça ne peut pas être le contradictoire. Ce n'est pas la même chose que le contradictoire. En effet, et pourtant, c'est compliqué parce que, encore une fois, vous retenez l'exemple. Adam non-pécheur, c'est incompossible avec le monde existant. Il aurait fallu un autre monde. Bien. Je ne vois que trois solutions possibles, dès lors. Si on me dit ça, je ne vois que trois solutions possibles pour essayer de caractériser la notion d'incompossibilité. Première solution, on me dira, finalement, il faut bien que d'une manière ou d'une autre, l'incompossibilité implique une espèce de contradiction logique. À la rigueur, on me consentira que, il faut bien, oui, ça veut dire, il faut bien qu'il y ait contradiction finalement entre Adam non-pécheur et le monde existant. Alors, bon, est-ce qu'on peut aller dans cette voie? Oui, à première vue, on peut toujours me consentir ceci, ou on peut toujours consentir ceci, oui. Il y aurait contradiction logique entre Adam non-pécheur et le monde existant. Seulement, cette contradiction, on ne pourrait la dégager qu'à l'infini. Ce serait une contradiction infinie. Alors qu'il y a une contradiction finie entre cercle et carré, il n'y a qu'une contradiction infinie entre Adam non-pécheur et le monde. On peut toujours dire ça. Certains textes de la Leibniz vont dans ce sens. Mais encore une fois, nous savons déjà qu'il faut se méfier des niveaux des textes de la Leibniz. En fait, tout ce qu'on a dit précédemment impliquait que la compossibilité et l'incompossibilité soient vraiment une relation originale, irréductible à identité-contradiction, identité-contradictoire. Bien plus, on a vu que l'analyse infinie, en vertu de notre première partie, on a vu que l'analyse infinie, ce n'était pas une analyse qui découvrait l'identique à l'issue d'une série infinie de démarches. En effet, tous nos résultats de la dernière fois, c'était que, loin de découvrir l'identique à la fin d'une série, ou à la fin d'une série infinie, déjà ça ne veut rien dire, c'est un non-sens, à la limite d'une série infinie de démarches, loin de procéder ainsi, l'analyse infinie substituait le point de vue de la continuité à celui de l'identité. Donc, c'est d'un autre domaine que le domaine régi par l'identité-contradiction. Une autre solution, mais alors que je dis très rapide parce que certains textes de Leibniz aussi la suggèrent, c'est que ça dépasse notre entendement parce que notre entendement est fini. Dès lors, la compossibilité, cette fois-ci, serait bien une relation originale, mais on ne saurait pas quelle est sa racine. La racine de cette relation nous échapperait. Le fondement de cette relation nous échapperait. Bon, il va de soi que ni l'une ni l'autre des directions ne peuvent nous satisfaire. Donc c'est très simple, nous réclamons une spécificité de la relation de compossibilité et d'incompossibilité, une nature propre pour cette relation, qui soit liée en même temps à la nature de l'analyse infinie, c'est-à-dire à tout ce qu'on a vu précédemment sur le continu et les différences évanouissantes. Or, je me demande, et c'est là... je voulais partir. On se demande dans quelle voie aller, qu'est-ce qu'il va nous fournir. Mais ça devient intéressant, il invente un nouveau type de relation, le compossible et l'incompossible. Alors ça devient très riche parce qu'il peut, vous voyez, tout dès lors l'éventail d'objections, de critiques qui peut se donner par rapport aux philosophies antérieures. Il dira, les autres, qu'est-ce qu'ils ont vu? Les uns, ils ont cru que tout était nécessaire. Les autres, ils ont bien vu qu'il y avait le possible et le nécessaire. Mais Leibniz nous dit, moi je vous apporte un nouveau domaine. Il n'y a pas seulement le possible et le nécessaire et le réel, il y a le compossible et l'incompossible. Il prétend découvrir toute une nouvelle région de l'être.
Découvrir ça pour un philosophe, ça veut dire quoi? Ça implique au moins qu'il ne se contente pas de nous dire « je ne sais pas d'où ça vient ». Il peut le dire dans un texte, « ah ben oui, ça dépasse notre entendement ». Il peut le dire comme ça en passant, mais il faut bien qu'il s'y mette, une fois. Or là, ce qui me trouble, c'est que, voilà l'hypothèse que je voudrais faire. Que, d'une part, Leibniz, c'est un homme pressé. Il écrit dans tous les sens, partout, il ne publie pas, il publie très peu de choses de son vivant. Leibniz a tous les éléments, toute la matière, tous les matériaux, pour donner une réponse relativement précise à ce problème. Forcément, puisque c'est lui qui l'invente, c'est lui qui a la solution. Et puis, qu'est-ce qui a fait qu'il n'a pas regroupé tout ça? Mais ça y est. Voilà l'hypothèse que je voudrais faire. Je le dis, j'essaie de la détacher parce qu'il faudrait procéder par ordre, tellement c'est encore une fois délicat et amusant cette histoire. Je crois que ce qui va donner une réponse à ce problème, et à la fois et de l'analyse infinie et de la compossibilité, c'est une théorie très très curieuse, que Leibniz est sans doute, peut-être, le premier à vraiment introduire en philosophie, et qu'on pourrait appeler la théorie des singularités. Et que chez Leibniz, la théorie des singularités, qui est éparse, qui est partout, je ne peux pas vous citer un livre où elle soit, elle est partout. Elle est partout, on risque même de lire des pages de Leibniz et de pas voir qu'on est en plein dedans, tellement il est discret ou tellement qu'il va vite à certains moments. La théorie des singularités m'apparaît avoir deux pôles chez Leibniz. Il faudrait dire que c'est une théorie mathématico-psychologique. D'où vous voyez notre objet aujourd'hui, notre travail aujourd'hui, ce serait, si j'essaie de bien numéroter, ce serait, qu'est-ce que c'est qu'une singularité ? Au niveau mathématique, qu'est-ce que c'est que cette drôle de notion, singularité? Singularité pour les mathématiciens. Et qu'est-ce que Leibniz vient faire là-dedans? Qu'est-ce qu'il crée là-dedans? Est-ce que c'est vrai qu'il fait la première grande théorie des singularités en mathématiques? Deuxième question, qu'est-ce que c'est qu'alors quelque chose d'absolument nouveau? La théorie leibnizienne psychologique des singularités. Les singularités psychologiques. Et dernière question, ça nous fait donc trois questions pour aujourd'hui, c'est beaucoup. Dernière question. En quoi la théorie mathématico-psychologique des singularités, telle qu'elle est esquissée chez Leibniz, nous donne-t-elle une réponse à la question? Qu'est-ce que le compossible, qu'est-ce que l'incompossible, et en définitive, qu'est-ce que l'analyse infinie? Voilà. Et voilà, c'est tout ça que je voudrais bien qu'on fasse. Car en effet, donc, je commence par le premier point. Qu'est-ce que c'est que cette notion mathématique de singularité? Et en quoi c'est intéressant? Et pourquoi que c'est tombé ça? Il me semble que c'est dommage. Il faudrait voir en philosophie, il y a tout le temps des occasions comme ça. Il y a quelque chose qui pointe à un moment et puis ce sera lâché. Ce sera, il me semble que c'est le très beau cas d'une théorie qui était vraiment plus que esquissée par Leibniz, puis qui n'a pas eu de suite. Hein. Comme s'il y avait une chance là. Et puis, est-ce qu'il y a moyen aujourd'hui de la reprendre? Est-ce que ce serait intéressant pour nous et pourquoi ce serait intéressant? Je dis déjà que je suis toujours partagé entre deux choses quant à la philosophie. L'idée que la philosophie ne présuppose pas un savoir spécial, que vraiment en sens n'importe qui est apte à la philosophie. Et en même temps qu'on ne peut pas en faire si l'on n'est pas sensible à une certaine terminologie de la philosophie. Et que la terminologie, vous pouvez toujours la créer. La bonne terminologie, elle est même par nature créée, mais vous ne pouvez pas la créer n'importe comment. C'est pour ça que ce qui n'existe pas, à mon avis, bien qu'il en ait en apparence, un dictionnaire de philosophie serait une chose très très importante. Je crois que c'est très difficile de faire de la philosophie si vous ne savez pas ce que c'est que des termes comme catégorie, concept, idée, a priori, a posteriori, tout ça. Exactement comme on ne peut pas faire de mathématiques si on ne sait pas ce que c'est que A, B, X, Y, etc. Variables constantes, bon, équations. Il y a un minimum.
Or, je remarque de tout temps la logique. Mais il ne faut pas vous inquiéter en même temps, parce que vous pouvez l'apprendre au fur et à mesure. C'est simplement, vous ne ferez pas de philosophie si vous n'attachez pas d'importance à ces points-là. Singulier, ça vient d'où ? Singulier, ça existe de tout temps dans un certain vocabulaire logique. Seulement, ça se dit par rapport à quoi, singulier ? C'est déjà intéressant, là. C'est à vous de réfléchir là-dessus. Singulier se dit par différence et en même temps en relation avec universel. Pourquoi j'éprouve le besoin de dire ça ? Parce qu'il y a un autre couple de notions, il y a un autre doublet, il y a un autre couple de notions. C'est particulier, qui se dit en référence à quoi ? Qui se dit en référence à général. Si vous confondez tout, vous emploierez particulier et singulier comme se valant, général et universel comme se valant. À ce moment-là, ça part mal. Ça part mal. C'est pas difficile tout ça, mais il faut à vous de réfléchir sur le singulier et l'universel. Bon, c'est en rapport l'un avec l'autre. Le particulier et le général, c'est en rapport. Qu'est-ce que c'est qu'un jugement de singularité ? Ce n'est pas la même chose qu'un jugement dit particulier. Ce n'est pas la même chose qu'un jugement général. Donc, voilà, en gros, peu importe. Là, je ne développe pas, parce que ce n'est pas mon affaire. Là. Je dis juste ça. Formellement, singulier était pensé dans la logique classique en référence avec universel. Et ça n'épuise pas forcément une notion. Quand les mathématiciens emploient l'expression de singularité, eux, ils la mettent en rapport avec quoi ? Là, il faut se laisser guider par les mots réguliers. Le singulier, c'est ce qui sort de la règle. Bon, on n'a pas l'air de dire grand-chose. Il y a un autre couple de notions employées par les mathématiciens, et là, contrairement à ce que je viens de dire, mais pour des raisons évidentes, je vais les confondre. C'est remarquable et ordinaire. Vous avez singulier, régulier, remarquable, ordinaire. C'est pas tout à fait la même chose, puisque les mathématiciens nous disent qu'il y a des singularités remarquables et des singularités qui ne sont pas remarquables. Bon. Mais nous, par commodité, accordez-moi ça, parce que Leibniz ne fait pas encore cette distinction entre le singulier non remarquable et le singulier remarquable. Leibniz emploie comme équivalent singulier, remarquable et notable. Si bien que quand vous trouverez le mot notable chez Leibniz, dans un texte même très rapide, dites-vous que nécessairement il y a un clin d'œil, que ça ne veut pas dire bien connu, quand il dit quelque chose de notable, qu'il engrosse, à la lettre, qu'il engrosse le mot d'une signification insolite. Vous me direz pourquoi qu'il ne prévient pas, s'il prévenait d'abord. Il n'y aurait plus de style, ce n'est pas son affaire, prévenir. Quand il parlera d'une perception notable, dites-vous, ah bon, il est en train de dire quelque chose. Quel intérêt pour nous ? Dis donc, vous comprenez, voilà que les mathématiques représentent par rapport à la logique déjà un tournant. L'usage mathématique du concept de singularité oriente la singularité sur un rapport avec l'ordinaire ou le régulier et non plus avec l'universel. On nous convie à distinguer ce qui est singulier et ce qui est ordinaire ou régulier. Quel intérêt pour nous ? Comprenez, si quelqu'un me dit un jour, supposez, quelqu'un, on pourra se demander qui peut dire ça, mais supposez quelqu'un qui dise, oh, vous savez, dans la philosophie, ça ne va pas fort parce que la théorie de la vérité s'est toujours trompée. On s'est toujours trompé parce qu'on a tenu compte qu'avant tout, et on s'est avant tout demandé dans une pensée, qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui était faux. Or, vous savez, suppose là, cette voix anonyme qui passe par la mienne, or, vous savez, c'est pas ça qui compte, c'est pas le vrai et le faux dans une pensée qui compte. C'est le singulier et l'ordinaire.
qu'est-ce qui est singulier, qu'est-ce qui est remarquable, qu'est-ce qui est notable dans une pensée? Ou bien qu'est-ce qui est ordinaire et qu'est-ce que ça veut dire qu'il y aurait quelque chose d'ordinaire? Je pense à un philosophe qui, lui, n'a rien à voir avec les mathématiques, qui bien plus tard, et qui s'appelle Kierkegaard, et qui bien plus tard dira « La philosophie a toujours ignoré l'importance d'une catégorie qui est celle de l'intéressant. Qu'est-ce qui est intéressant ?» Du coup, c'est peut-être pas vrai que la philosophie l'ait toujours ignorée. Il y a au moins un concept philosophico-mathématique de la singularité qui a peut-être quelque chose d'intéressant à nous dire sur le concept d'intéressant. Bon, c'est juste ça. Voilà, ce grand coude mathématique. La singularité n'est plus pensée par rapport à l'universel, elle est pensée par rapport à l'ordinaire ou au régulier. Le singulier, c'est ce qui sort de l'ordinaire et du régulier. Vous me direz, ça va pas loin. Si, le dire, ça va déjà très loin, puisque le dire implique que dès lors, on veut faire de la singularité un concept philosophique. Quitte à trouver les raisons de le faire dans un domaine qui est favorable, à savoir les mathématiques. Or, dans quel cas les mathématiques nous parlent-elles du singulier et de l'ordinaire? La réponse est simple, immédiatement, je dis les choses très très simples exprès, à propos de certains points pris dans une courbe. Pas forcément dans une courbe, on va voir tout à l'heure, mais notamment à propos de certains points pris dans une courbe, prélevés sur une courbe. Ou bien, mettons, à propos de toute figure, beaucoup plus généralement. Une figure pourra être dite, je ne dis pas que c'est nécessaire, mais on peut dire qu'une figure comporte par nature et que toute figure comporte par nature des points singuliers et d'autres qui sont réguliers ou ordinaires. Je me dirais pourquoi ça, une figure? Parce qu'une figure, c'est quelque chose de déterminé. Ah bon, alors le singulier et l'ordinaire, ça ferait partie de la détermination. Tiens, c'est intéressant, vous voyez qu'à force de rien dire, de piétiner, on avance beaucoup. Parce que pourquoi pas définir la détermination? C'est très difficile de définir la détermination en général. Je me dis, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas définir la détermination en général en disant c'est une combinaison de singulier et d'ordinaire? Et toute détermination serait comme ça. Bon, peut-être, hein? Mais alors, en quoi? Allons très très doucement. Je prends une figure très simple, un carré. Votre exigence légitime, ce serait de me dire, bon, et ben, qu'est-ce que c'est les points singuliers d'un carré? Pas difficile, les points singuliers d'un carré, il y en a quatre. Il y en a quatre. Vous voyez? C'est les quatre sommets, A, B, C, D. Bon. On va chercher à définir une notion, à définir la singularité, mais on en reste à des exemples pour que, vraiment, là, on fait une recherche enfantine. J'insiste là-dessus, on parle de mathématiques, mais on n'en sait pas un mot, quoi. On sait juste un carré, il a quatre côtés. Donc, il y a quatre points que je pourrais appeler, alors, pour employer un mot plus compliqué, des extrémums, extrémum. Hein. Il y a quatre extrémums. Vous allez voir pourquoi je ne fais pas le clown, là, en disant, parce que j'ai besoin de ce terme, vous allez voir pourquoi. Bon, c'est les points qui marquent précisément qu'une ligne droite est finie et qu'une autre d'orientation différente à 90 degrés commence. Qu'est-ce que ce sera les points ordinaires? Ce sera l'infinité des points qui composent chaque côté du carré. Mais les quatre extrémités seront dites des points singuliers. D'accord? Bon. Question. Un cube. Combien lui donnez-vous de points singuliers?
je vois votre stupeur peinée. Voilà, très bien, très bien. Je suis déçu, j'espérais que vous alliez dire 12, mais il y a 8.5. Bon, voilà, c'est fini. Si vous avez compris ça, déjà vous avez compris énormément. Voilà ce que, en géométrie la plus élémentaire, on pourra appeler point singulier. Les points qui marquent l'extrémité d'une ligne droite, là. Vous sentez que ce n'est qu'un début. J'opposerai donc les points singuliers et les points ordinaires. Un effort. Une courbe. Ah bon, une courbe. Une figure rectiligne. Voilà ma question. Et par là, on retrouve une remarque qu'on faisait tout à l'heure à propos de ce qu'on disait en introduction. Une figure rectiligne, peut-être, il faudrait réfléchir, mais peut-être est-ce que je peux dire d'une figure rectiligne, les points singuliers sont nécessairement des extrêmes. Peut-être pas, à vous de voir. Hein. Supposons, à première vue, je peux dire quelque chose comme ça. Pour une courbe, ça se gâte. Prenons l'exemple le plus simple, un arc de cercle. Là, j'en ai assez du tableau, alors je fais la figure dans l'air. Hein. Vous me suivez bien. Hein. Je fais un arc de cercle, comme ça. Alors, ça dépend de où je placerai l'ordonnée, concave à votre choix, concave ou convexe. Et je fais le même arc de cercle en dessous, concave si l'autre est convexe, convexe si l'autre est concave. J'ai donc une figure comme ça. Voyez ? Hein ? Les deux se rencontrent en un point. Voyez ? Tout ça. Je trace une ligne droite. En dessous, que j'appelle, conformément à la nature des choses, bon, je me traînerai jusqu'au tableau si vous voulez le dessin, mais c'est très simple, l'ordonnée. Je trace l'ordonnée. L'ordonnée. Bon, j'élève mes perpendiculaires. Mes perpendiculaires à l'ordonnée. Hein? Voyez. Bien. Bon, je crois que c'était plus simple que je l'ai. Ah, quelle vie. C'est pas prêt. Pas prêt. Alors, je vais le faire en tout petit, hein. Parce que je vais bien faire le dessin, mais à condition que tiens, vous n'ayez pas dire. Tiens. Top chef. C'est pas mal, hein. Ouf. C'est ça que vous aviez fait, hein? Non. Si, si, il a fait ça. Mathieu, il a fait ça. Il avait fait ça? Ouais. Eh ben... A, B... X, Y. Voyez? Compris? A, B, X, Y. A, B, là... X, Y, là. Hein? Voyez? AB par rapport
Hein, suivez-moi bien. AB, où c'est? C'est du point de rencontre des deux cercles, des deux arcs de cercle, à l'ordonnée. Hein? AB, c'est le plus long segment par rapport à cet arc de cercle. Et c'est le plus court par rapport à l'autre. Vous comprenez? Formidable. Deuxième point. Ça, c'est le plus court ou le plus long. Hein, au choix. Tout dépend si vous avez pris l'arc concave ou l'arc convexe. Deuxième caractère, c'est le seul qui soit unique. C'est le seul segment qui soit unique. C'est pour ça, vous voyez, c'est simple. C'est simple, on ne peut pas dire. Mais c'est très intéressant. Ceci, je précise, parce que sinon vous auriez l'impression de perdre votre temps, c'est un exemple de Leibniz, dans un texte dont le titre est exquis, Tantamen Anagogicum, un petit opuscule de 7 pages, qui est un chef-d'œuvre. Et qui veut dire en latin, qui est écrit en latin, et qui veut dire essai anagogique. Alors, je dis deux choses, hein. A, B a deux caractéristiques. C'est le seul segment élevé à partir de l'ordonnée à être unique. Tous les autres ont, comme dit Leibniz, un double, un petit jumeau, va-t-il jusqu'à dire. En effet, XY a son miroir, son image, dans X', Y'. Et tout. Et vous pourrez vous rapprocher avec des différences évanouissantes de AB. Il n'y a que AB qui soit unique, sans jumeaux. Deuxième point, AB peut être dit également un maximum ou un minimum. Maximum par rapport à l'un des arcs de cercle, minimum par rapport à l'autre. Ouf! Vous avez tout compris. Je dirais que AB est une singularité. Pourquoi que j'introduis cet exemple? Pour compliquer un peu. J'ai introduit l'exemple de la courbe la plus simple, un arc de cercle. J'ai compliqué un peu en quoi? Parce que ce que j'ai montré, c'est que point singulier n'est pas nécessairement lié, n'est pas restreint à l'extremum. Il peut très bien être au milieu. Dans ce cas-là, il est au milieu. Et c'est soit un minimum, soit un maximum, soit les deux à la fois. D'où l'importance, peut-être sentez-vous, d'un calcul que Leibniz contribuera à pousser très loin, et qu'il appellera le calcul D, en latin aussi, D maximis et minimis. Le calcul des maximums et minimums. Et qui encore aujourd'hui a une importance immense. Par exemple, dans les phénomènes de symétrie, dans les phénomènes physiques, dans les phénomènes optiques. Dans les phénomènes optiques, le calcul des maximums et minimums a une très très grande importance. Je dirais donc, voilà un point singulier, mon point A est un point singulier. Vous voyez, tous les autres seront ordinaires. Vous voyez qu'ils sont ordinaires, déjà, ou réguliers. Ils sont ordinaires ou réguliers en deux, de deux manières. C'est qu'ils sont en dessous du maximum et au-dessus du minimum. Et enfin, ils existent en double. Voilà qu'on précise un peu cette notion d'ordinaire. Vous voyez, c'est un autre cas. J'étais parti du carré, là, on est dans des arcs de cercle. C'est un autre cas, c'est une singularité d'un autre cas. Bon. Nouvel effort. Prenez une courbe complexe.
une cour complexe, ce sera pas. Là aussi, oh, faut pas penser à des choses très très difficiles. Qu'est-ce qu'on appellera des singularités? Elle a des singularités, une cour complexe se définit par ses singularités. Alors, les singularités d'une cour complexe, c'est quoi au plus simple? Au plus simple, c'est les points au voisinage desquels. Tiens, formidable, à force d'employer des mots simples et de dire des choses débiles, vous comprenez qu'on est en train d'engranger, quant à la construction d'un concept mathématico-philosophique, beaucoup de choses. Voisinage. Un point singulier à un voisinage. Même si peu vous sachiez en mathématiques, vous savez par exemple que la notion de voisinage, qui est très différente de la notion de contiguïté, est une notion clé, par exemple, dans tout un domaine de mathématiques extrêmement riche, à savoir la topologie. Eh bien, c'est la notion de singularité qui est capable de nous faire comprendre ce que c'est que le voisinage. Au voisinage d'une singularité, quelque chose change, c'est-à-dire la courbe croît ou décroît. Une courbe à des moments, alors, vous voyez, là je ne fais pas le dessin, elle croît ou décroît. Ces points de croissance ou de décroissance, je les appellerai des singularités. L'ordinaire, c'est quoi? C'est la série. C'est ce qui est entre deux, du coup on progresse encore. L'ordinaire, c'est ce qui est entre deux singularités. Ça va du voisinage d'une singularité au voisinage d'une autre singularité. C'est de l'ordinaire ou du régulier. C'est essentiel tout ça. Comprenez que c'est un domaine complètement, par rapport à la philosophie classique, complètement. Bon, j'en ai déjà trop dit, mais j'en profite pour dire très vite, du coup, pourquoi? Dès lors, on saisit comme des rapports, comme des espèces d'épousailles très étranges. La philosophie dite classique, est-ce qu'elle n'a pas son sort relativement lié, et inversement, avec la géométrie, l'arithmétique et l'algèbre classique? C'est-à-dire avec les figures rectilignes. Vous me direz, mais les figures rectilignes, elles comprennent déjà des points singuliers, d'accord. Mais comprenez, une fois que j'ai découvert et construit la notion mathématique de singularité, je peux dire c'était déjà là, dans les figures rectilignes les plus simples. Jamais les figures rectilignes les plus simples ne m'auraient donné une occasion consistante, une nécessité réelle de construire la notion de singularité. C'est simplement au niveau des courbes complexes que ça s'impose. Une fois que je l'ai trouvé au niveau des courbes complexes, alors là, oui, je reviens en arrière et je peux dire « Ah, mais c'était déjà dans un arc de cercle. Ah, mais c'était déjà dans une figure simple comme le carré rectiligne. » Mais avant, vous ne pouviez pas. Ouais. Ah, une coupe, ah, une coupe. Oh, mon Dieu. Oh. Ah, pitié. Alors, là, il m'a cassé. Qu'est-ce que... Ah non, c'est fragile parler, vous savez, c'est fragile. Ah. Il y a une section. Oui, enfin, autant répondre à ça. Oui, mais avec la méthode d'exhaustion, elle impliquait la méthode d'exhaustion qui était une méthode prédifférentielle. Non, c'est... Je sais plus. La règle univers, c'est la série. Est-ce qu'il n'y aurait pas des philosophes... Oh, pitié, ah, pitié, pitié, pitié. Non, non, écoute, je te laisserai parler une heure quand tu veux, mais pas maintenant. Ah non, 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 c'est pas ça, c'était ce qu'il y avait dans ma tête qui a foutu le truc. Bon, écoutez. Je vous lis un petit texte tardif.
un mathématicien bien connu qui s'appelle Poincaré s'occupera beaucoup de cette histoire de la théorie des singularités. Elle va se développer pendant tout le 18e, pendant tout le 19e siècle. Il y a dans les travaux scientifiques, puisqu'il y a deux sortes de travaux de Poincaré, des travaux logiques et philosophiques, et des travaux mathématiques, puisqu'il est lui-même avant tout mathématicien. Il y a un mémoire de Poincaré sur les équations différentielles. J'en lis juste un bout parce que ce mémoire porte sur les espèces de points singuliers dans une courbe renvoyant à une fonction ou à une équation différentielle. Il nous dit, voilà, il y a quatre sortes de points singuliers. Quatre sortes de points singuliers. Très important, les noms dont il va les baptiser. Premièrement, les cols. Les cols. Terme géographique, un col. Les cols, et ce sont les points par où passent deux courbes définies par l'équation et deux seulement. L'équation différentielle, là, est telle que au voisinage de ce point, elle va définir ou elle va faire passer deux courbes et deux seulement. L'école par où passent deux courbes définies par l'équation et deux seulement. Voilà un type de singularité. Deuxième type de singularité, les nœuds. Les nœuds. Où viennent se croiser une infinité de courbes définies par l'équation. Troisième type de singularité, les foyers. Autour desquels ces courbes tournent en s'en rapprochant à la façon d'une spirale. Enfin, quatrième type de singularité, les centres, autour desquels ces courbes se présentent sous forme de cycles fermés. Les centres autour desquels ces courbes se présentent sous forme de cycles fermés. Et Poincaré, dans la suite du mémoire, explique qu'un de ses grands mérites mathématiques, selon lui, est d'avoir poussé la théorie des singularités en rapport avec la théorie des fonctions ou des équations différentielles. Bon, pourquoi je cite cet exemple de Poincaré ? C'est que déjà, les notions équivalentes, vous les trouveriez chez Leibniz. Ah ben, vous voyez, là se dessine déjà tout un très curieux paysage, avec l'école, les foyers, les centres. C'est vraiment comme une espèce de, oui, on ne sait pas bien comment dire, d'astrologie, de géographie mathématique. Je cite cet exemple parce que, vous voyez qu'on est allé du plus simple au complexe. Je veux dire, au niveau d'un simple carré, d'une figure rectiligne, les singularités, c'était des extrémums. Au niveau d'une courbe simple, vous aviez des singularités encore très faciles à déterminer, dont le principe de détermination était relativement facile. La singularité, c'était le seul cas unique qui n'avait pas de jumeaux, ou bien c'était le cas où maximum et minimum s'identifiaient. Là, vous avez des singularités de plus en plus complexes quand vous passez à des courbes plus complexes. Donc le domaine des singularités, il est à proprement parler comme infini. Quelle va être la formule ? Là, je supplie qu'on aille vite, parce que vous allez voir en quoi se fait. Je reprends le thème de tout à l'heure. Tant que vous avez affaire à des problèmes dits rectilignes, c'est-à-dire où il s'agit de déterminer des droites ou des surfaces rectilignes, vous n'avez pas besoin du calcul différentiel. Vous avez besoin du calcul différentiel lorsque vous vous trouvez devant la tâche de déterminer des courbes et des surfaces curvilignes. Ça veut dire quoi ? C'est pas par hasard. C'est que la singularité, c'est la seule chose que je dise quant au calcul différentiel. En quoi est-elle liée au calcul différentiel ? C'est que le point singulier, c'est le point au voisinage duquel le rapport différentiel dy sur dx change de signe. Sommet relatif d'une courbe, avant qu'elle ne décroisse, avant qu'elle ne descende. Donc vous direz, le rapport différentiel change de signe. Il change de signe à cet endroit, dans quelle mesure ? Là, c'est bien, très bien expliqué dans tous les manuels, dans la mesure où
il devient égal au voisinage de ce point, ou il devient égal à zéro ou à l'infini. Thème du minimum et du maximum que vous retrouverez là. Peu importe. Je dis juste, voilà un ensemble, hein. Tout cet ensemble que je viens d'essayer de dire avec cet écroulement si fâcheux, consiste à dire, voyez l'espèce de relation qu'on a entre singulier et ordinaire, tel que vous allez définir le singulier en fonction des problèmes curvilignes en rapport avec le calcul différentiel et dans cette tension, dans cette opposition entre point singulier et point ordinaire ou point singulier et point régulier. C'est ça, mettons, c'est ça que les mathématiques nous fournissent comme matériaux de base. Et encore une fois, s'il est vrai que dans certains cas, les cas les plus simples, le singulier, c'est l'extrémité. Dans d'autres cas simples, c'est le maximum ou le minimum, ou même les deux à la fois. Les singularités, là, développent des rapports de plus en plus complexes au niveau des courbes de plus en plus complexes. Voilà, supposons qu'il n'y ait rien d'autre. J'en retiens la formule suivante. Une singularité est un point au voisinage duquel, ça c'est presque oui, ce qu'il faut en retenir, une singularité prélevée sur une courbe ou déterminée sur une courbe est un point au voisinage duquel le rapport différentiel change de signe et la singularité, le point singulier, a pour propriété de se prolonger sur toute la série des ordinaires qui en dépendent, jusqu'au voisinage de la singularité suivante. Vous voyez ? Donc je dis que la théorie des singularités est inséparable d'une théorie ou d'une activité ou d'une technique de prolongement. Alors, comprenez, ça va peut-être nous faire un grand pas en avant. Est-ce que ce ne serait pas dès lors une définition possible ou des éléments pour une définition possible de la continuité. Pas facile de définir le continu, surtout en rapport avec des points. Je dirais que la continuité ou le continu, je dis ça comme ça, on va voir, la continuité ou le continu, c'est le prolongement d'un point remarquable sur une série d'ordinaires, d'un point singulier sur une série d'ordinaires, jusqu'au voisinage à la singularité suivante. Et du coup, je suis très content. Je suis extrêmement content parce que j'ai enfin une espèce de définition, même si elle ne nous satisfait pas, même si on est amené à la remanier, j'ai une première définition hypothétique de ce qu'est le continu. Et remarquez que c'est d'autant plus bizarre que pour définir, pour obtenir cette définition du continu, je me suis servi de ce qui en apparence introduit une discontinuité. À savoir une singularité où quelque chose change. Or, loin que ça s'oppose, c'est elle qui me permet de définir. Tant que je peux prolonger une singularité, c'est du continu. Bon, voilà. C'est tout pour le domaine mathématique. Je passe à l'autre domaine, parce que... Et en faisant semblant qu'il n'y a aucun rapport. Mais vous sentez bien que pour la NX, c'est pas comme ça. Il y a évidemment rapport entre les deux domaines. C'est le domaine, cette fois-ci, psychologique. Et Leibniz nous dit finalement une chose déjà très curieuse. Il nous dit, tout le monde, nous savons tous que nous avons des perceptions. Par exemple, je vois du rouge, c'est du qualitatif, je vois du rouge. J'entends le bruit de la mer, exemple qui revient constamment chez lui. J'entends le bruit de la mer. Assis sur la plage, j'entends le bruit de la mer. Et puis je vois du rouge, et puis voilà, tout ça, quoi. Et ce sont des perceptions. Bien plus, dit-il, on devrait leur réserver un nom spécial, on verra pourquoi, parce qu'elles sont conscientes. C'est la perception douée de conscience. La perception douée de conscience, c'est-à-dire la perception perçue comme telle par un moi, nous l'appelons aperception, comme apercevoir.
c'est en effet la perception que j'aperçois. Donc réservons-lui un nom spécial, aperception. Une aperception. Ça signifie une perception consciente. Et Leibniz nous dit la chose suivante, qui à première vue paraît quand même très bizarre, on se dit pourquoi pas, mais pourquoi ? Il faut bien, là encore c'est le cri qui anime le concept, quoi. Il faut bien dès lors qu'il y ait des perceptions inconscientes dont nous ne nous apercevons pas. Ces perceptions inconscientes dont nous ne nous apercevons pas, on va les appeler petites perceptions. Petites perceptions. Nous ne nous en apercevons pas. Vous comprenez, c'est important parce que alors c'est quoi ? C'est des perceptions inconscientes. Pourquoi faut-il ? Pourquoi est-ce qu'il faut ? Bizarrement, Leibniz va donner deux raisons. Or, ces deux raisons, vous me direz, ça va tellement de soi, mais je voudrais faire la même chose là que pour les singularités. Dire des choses tellement évidentes que dans les textes, parfois, il les donne ensemble. Mais en fait, il y a deux raisons, selon lui. C'est que nous nous apercevons, nos aperceptions, nos perceptions conscientes, sont toujours globales. Ce dont nous nous apercevons, c'est toujours d'un tout, que ce tout soit relatif, qu'il soit changeant. Ce que nous percevons, ce que nous saisissons par la perception consciente, c'est des totalités relatives. Or, il faut bien qu'il y ait des parties puisqu'il y a du tout. Et ça, c'est un raisonnement que Leibniz fait constamment. Il faut bien qu'il y ait du simple s'il y a du composé. C'est même, il l'érige à la hauteur de principe. Ça ne va pas de soi, d'ailleurs. Vous comprenez ce qu'il veut dire ? Il veut dire qu'il n'y a pas d'indéfini. Ça va si peu de soi que ça implique l'infini actuel. Il faut qu'il y ait du simple puisqu'il y a du composé. Il y a des gens qui penseront que tout est composé à l'infini. Ce seront les partisans de l'indéfini. Mais Leibniz, pour d'autres raisons, il pense que l'infini est actuel. Donc il faut bien qu'il y ait du simple. Dès lors, il faut bien, puisque nous percevons le bruit global de la mer, quand nous sommes assis sur la plage, il faut bien que nous ayons des petites perceptions de chaque vague, comme il dit sommairement, et bien plus de chaque gouttelette d'eau. Vous me direz pourquoi ? C'est une espèce d'exigence logique, on va voir ce qu'il veut dire. Le même raisonnement, et là-dessus j'insiste, au niveau du tout et des parties, il le fait aussi bien au niveau, cette fois-ci en invoquant non pas un principe de totalité, mais un principe de causalité. Ce que nous percevons, c'est toujours un effet. Il faut bien qu'il y ait des causes. Et il faut bien que les causes soient elles-mêmes perçues, sinon l'effet ne serait pas perçu. Cette fois-ci, les gouttelettes ne sont plus les parties qui composent la vague, et les vagues, les parties qui composent la mer, mais interviennent comme les causes qui produisent un effet. Vous me direz, il n'y a pas grande différence. Je remarque juste que dans tous les textes de Leibniz, il y a deux arguments distincts qu'il est amené perpétuellement à faire coexister. Un argument fondé sur la causalité, un argument fondé sur les parties. Pas la même chose. Rapport cause-effet, rapport partie-tout. Ça ne peut pas être tout à fait pareil, on va voir les problèmes. Bien, voilà donc que nos perceptions conscientes baignent dans un flux de petites perceptions. De petites perceptions inconscientes. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? D'une part, il faut que ce soit comme ça. Il faut que ce soit comme ça, logiquement, en vertu de l'exigence des principes. Mais les grands moments, c'est lorsque l'expérience vient confirmer l'exigence des principes. Lorsque se fait la belle coïncidence, la très très belle coïncidence du principe et de l'expérience, la philosophie connaît le moment de son bonheur, même si c'est le malheur du philosophe personnellement. Et à ce moment-là, le philosophe dit « tout est bien, tout est comme il faut ». Alors, il faudrait que l'expérience me montre que dans certaines conditions de désorganisation de ma conscience, les petites perceptions forcent la porte de ma conscience,
et m'envahissent. Quand ma conscience se relâche, je suis comme envahi par les petites perceptions qui ne deviennent pas pour sa perception consciente. Elles ne deviennent pas à perception, puisque elles n'envahissent ma conscience que lorsque ma conscience est désorganisée. À ce moment-là, un flot de petites perceptions m'envahissent, de petites perceptions inconscientes. C'est pas qu'elles cessent d'être inconscientes, c'est moi qui cesse d'être conscient. Mais je les vis, il y a un vécu inconscient. Je ne les représente pas, je ne les perçois pas. Mais elles sont là, elles fourmillent. Dans quel cas on me donne un grand coup sur la tête? L'étourdissement. Exemple qui revient tout le temps chez Leibniz. Je suis étourdi, je m'évanouis. Un flot de petites perceptions inconscientes arrive, une rumeur dans ma tête. Ces textes de Leibniz, évidemment, ils font signe à des textes qu'ils ne peuvent pas connaître, mais c'est plutôt l'inverse. Rousseau connaissait Leibniz. Rousseau, qui fera la cruelle expérience de s'évanouir et ayant reçu un gros coup, raconte son retour. C'est la même chose, s'évanouir ou sortir de l'évanouissement, et le fourmillement des petites perceptions. C'est un texte très célèbre de Rousseau dans Les Rêveries, qui est le retour à la connaissance. Alors, cette espèce de fourmillement, là, truc comme un gratouille dans les petites perceptions. Bon. La Leibniz, il dit l'étourdissement, bien, cherchons, là, on cherche, c'est ce qu'on appelle, ou ce que certains appelaient, à la fin du 19e, des expériences de pensée. L'expérience de pensée, c'est qu'il n'y a même pas besoin de la faire, Dieu merci, on sait que c'est comme ça, quoi, vous comprenez. Alors on cherche l'expérience, on cherche par la pensée, le type d'expérience qui correspond au principe. L'évanouissement, on se dit, ça peut... La Leibniz, il va beaucoup plus loin, il se dit, est-ce que ce ne serait pas ça la mort? Là, ça va faire des problèmes en théologie, hein. Mais l'hypothèse de la Leibniz, ce serait ça la mort. Oh, ce serait ça la mort, c'est-à-dire, ce serait l'état d'un vivant qui ne cesserait pas de vivre, c'est-à-dire la mort, ce serait une espèce de catalepsie, quoi. C'est du plein Edgar Poe. Simplement, on est réduit aux petites perceptions. Et encore une fois, comprenez bien, non pas qu'elles envahissent ma conscience, mais c'est ma conscience qui s'étend, qui perd tout son pouvoir propre, qui se dilue. Parce qu'elle perd conscience de soi. Mais elle devient très bizarrement conscience infiniment petite des petites perceptions inconscientes. Alors ce serait ça la mort. Bon, très bien, c'est ça. Alors, vous pensez, il ne faut pas contrarier, il faut que la réunion soit d'accord, mais ça pose de ses problèmes. En d'autres termes, la mort, ce n'est rien d'autre qu'un enveloppement. Les perceptions cessent d'être développées en perceptions conscientes, elles s'enveloppent en une infinité de petites perceptions. Ou bien, dit-il encore, le sommeil sans rêve. Le sommeil sans rêve, c'est de ce type. Il y a plein de petites perceptions. Bon. Continuons les exemples. Est-ce qu'il faut dire ça seulement de la perception? Non. Et là, à nouveau, le génie de la Leibniz. Il y a une psychologie, Leibniz, une psychologie signée Leibniz. Bon, ça a été une des premières grandes théories de l'inconscient, notamment. J'en ai presque déjà assez dit pour que vous compreniez la différence et en quoi c'est une conception de l'inconscient qui n'a strictement rien à voir avec celle de Freud. Tout ça pour dire tout à fait à l'avantage de Freud. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans Freud? C'est évidemment pas l'hypothèse d'un inconscient qui a toujours été, qui a été faite par de très nombreux auteurs. Mais c'est la manière dont Freud lui conçoit l'inconscient. C'est évidemment pas du tout la même que la manière dont Leibniz conçoit l'inconscient. Or, dans la descendance de Freud, se trouvera des phénomènes très bizarres de retour à une conception leibnizienne. Enfin, ça, je vous dirai tout à l'heure. Avant d'en arriver là, comprenez qu'il ne peut pas dire ça simplement de la perception. Car en fait, l'âme, selon Leibniz, a deux facultés fondamentales. La perception, L'apostrophe à perception, la perception consciente, qui est donc composée de petites perceptions inconscientes, et ce qu'il appelle l'appétition, l'appétit, le désir. Et nous sommes faits de désir et de perception. Or, l'appétition, c'est l'appétit conscient.
si les perceptions sont faites, si les perceptions globales sont faites d'une infinité de petites perceptions, les appétitions, les gros appétits, comme on dit, les gros appétits sont faits d'une infinité de petites appétitions. Et les appétitions, ce sont les vecteurs correspondants aux petites perceptions. Ça devient un inconscient très bizarre avec toutes ces petites appétitions et ces petites perceptions. La goutte de la mer à laquelle correspond la goutte d'eau, à laquelle correspond une petite appétition chez celui qui a soif. Et lorsque je dis « Mon Dieu, j'ai soif », lorsque je dis ça, qu'est-ce que je fais? J'exprime grossièrement un résultat global. Ah, j'exprime grossièrement un résultat global. Et quand je dis « j'ai faim », j'exprime grossièrement un résultat global. Résultat global de quoi? Des mille et mille petites perceptions qui me travaillent et des mille et mille petites appétitions qui me traversent. Ah, direz-vous. Et comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Je saute encore les siècles. Au début du XXe siècle, un grand, grand biologiste espagnol, je crois tombé dans l'oubli, s'appelait Touro. T-U-2-R-O. Il fit un livre traduit en français intitulé « Les origines de la connaissance ». Traduit en français en 1914. Et ce livre est extraordinaire. Il s'occupait beaucoup de la faim, Touro. Comment on prononce en espagnol? Ça s'écrit T-U-2-R-O. Comment? Enfin, je ne sais pas. Bon, Touro, il disait ceci. Quand on dit « j'ai faim », à mon avis vraiment, Touro, c'est un type de formation purement biologique. Je ne pense pas qu'il ait lu la Ennise, en tout cas, c'est pas... Mais c'est d'autant plus intéressant, parce que les textes pourraient être signés, c'est bien, quand il y a sans influence directe, à des siècles de distance, une page, on se dit « tiens ». Quand on se dit quelle est l'actualité de quelqu'un, ça veut dire ça. Deux siècles après, quelqu'un écrit un livre dans un tout autre domaine. Et on se dit, mais mon Dieu, c'est signé Leibniz, c'est Leibniz qui a fait une visite, quoi, qui s'est réveillé là, c'est bizarre ça. Car Touro dit, quand on dit j'ai faim, hein, ça va pas fort tout ça, parce que c'est vraiment un résultat global. C'est ce qu'il appelle une sensation globale. Car enfin, dit-il, la faim globale, il emploie ces concepts, oui, la faim globale et les petites faims spécifiques. Les petites faims spécifiques. Il dit car enfin, la faim comme phénomène global, c'est un effet statistique. De quoi elle est composée? La même chose. Cette psychologie à la Leibniz invoque les petites appétitions qui investissent. Des petites perceptions. Ça, la petite appétition, c'est l'investissement psychique de la petite perception. Et ça va faire quel monstre? On ne cesse de passer d'une petite perception à une autre, même sans le savoir. Nous, notre conscience, elle en reste aux perceptions globales et aux gros appétits. J'ai faim. Mais lorsque je dis j'ai faim, en fait, il y a toutes sortes de passages, de métamorphoses. Ma petite faim de sel qui passe à une autre petite faim de protide, petite faim de protide qui passe à petite faim de graisse, ou tout ça qui se mélange. C'est des hétérogènes. Et les enfants mangeurs de terre, qu'est-ce que vous en pensez des enfants mangeurs de terre? Par quel miracle est-ce qu'ils mangent de la terre alors qu'ils ont besoin de la vitamine que cette terre contient? C'est ça le problème de l'instinct. C'est curieux ça. C'est des monstres, on dirait, des enfants qui mangent la terre. Oui, c'est des monstres. Mais même Dieu a fait les monstres en harmonie. Voilà, voilà. Alors, quoi? Qu'est-ce que c'est ce statut de la vie psychique inconsciente? Il est arrivé à Leibniz de rencontrer la pensée. Je ne crois pas qu'il se soit rencontré parce que l'autre était en train de mourir. La pensée d'un philosophe anglais qui s'appelait Locke. L-O-C-K-E. Et Locke avait écrit un livre intitulé « Essai sur l'entendement humain ». Et Leibniz avait été très intéressé par Locke, surtout qu'il trouvait que Locke se trompait en tout.
Et lui, il s'était amusé à faire un gros livre qu'il avait appelé « Nouveaux essais sur l'entendement humain » où, chapitre par chapitre, il reprenait. Et il montrait que Locke était un débile. Bon, il avait tort, mais c'était une grande critique de Locke. Et puis, il ne l'a pas publié parce que là, c'était très honnête de sa part. Il a eu une réaction morale parce que Locke est mort entre-temps. Il s'est dit publier quand même, vous voyez, je dis ça parce qu'aujourd'hui ça se fait plus, ça. Publier un livre contre un type qui est ou bien malade ou bien mort, qui vient de mourir, c'est pas bien ça, il y a quelque chose de moche là-dedans. Alors il avait un gros livre, il était fini, tout son gros livre, il l'a laissé de côté, il l'a pas publié, il n'en a pas fait de maladie. Il l'a envoyé à des copains quand même, mais enfin, on ne peut pas être parfait en tout. Or, je raconte tout ça parce que Locke, dans ses pages les meilleures, construit un concept dont je vais dire le nom anglais parce que j'y suis contraint et forcé, si bien que vous n'allez pas comprendre quel concept c'est. C'est le concept de uneasiness. C'est pas mal. Uneasiness. Lui, il a l'accent pakistanais, là, c'est pas mieux, pas mieux que moi. Uneasy, voyez, uneasy. Uneasy, c'est quoi? Et là, Nice, là, est très malin parce qu'il dit uneasy, presque on dirait sommairement, on dirait, c'est le malaise. C'est le malaise. Mal à l'aise, le malaise. Et uneasiness, c'est l'état de malaise. Et Locke essaie d'expliquer que c'est ça le grand principe de la vie psychique. Vous voyez que c'est très intéressant. Pourquoi c'est très intéressant? Parce que ça nous sort un peu des banalités sur la recherche du plaisir ou du bonheur. Locke, il dit quelque chose, il dit en gros, recherche du plaisir, que l'on cherche son plaisir, c'est bien possible, que l'on cherche son bonheur, c'est autre chose. Peut-être que c'est possible, mais c'est pas ça. Il y a une espèce d'inquiétude du vivant, inquiétude. C'est l'inquiétude. Alors vous voyez, c'est pas l'angoisse non plus, il dit pas c'est l'angoisse. L'inquiétude. C'est un concept, il lance un concept psychologique, l'inquiétude. On n'est ni assoiffé de plaisir, ni assoiffé de bonheur, ni angoissé, c'est pas ça, non. Lui, il a l'impression que c'est pas ça, alors qu'il pense qu'on est avant tout inquiet. On reste pas en place, on bouge. Et Leibniz, dans une très belle page, dit, vous voyez, on peut toujours essayer de le traduire ce concept, mais Leibniz dit, il y a quelque chose de... Non, c'est très difficile à traduire. Parce que ça marche bien en anglais, ce mot ça marche bien. En anglais, il voit tout de suite ce que c'est. À la lettre, je dirais quelqu'un qui ne tient pas en place. Nous, on dirait quelqu'un nerveux. Quelqu'un nerveux qui serait uneasy. Bon, possible. Qu'est-ce que ça veut dire? Voyez, c'est comme un lui. Il emprunte le concept à Locke, il va le changer complètement en disant, bah, évidemment... Ce malaise du vivant, c'est quoi? Qui n'est pas du tout le malheur du vivant. C'est que, même quand il est immobile, qu'il a sa perception consciente bien cadrée, tout ça, ça fourmille. Les petites perceptions et les petits appétits, les petites appétitions qui investissent ces petites perceptions fluentes, perceptions fluentes et appétits fluents, ne cesse pas de bouger. Et c'est ça. Alors bien sûr, s'il y a un Dieu, et là il se persuade qu'il y a un Dieu, cette uneasiness est si peu signe d'un malheur qu'elle ne fait qu'avec la tendance à développer le maximum de perception. Et le développement du maximum de perception définira une espèce de continuité psychique. On retrouve là la grande idée de la continuité, c'est-à-dire un progrès indéfini de la conscience. Bon, c'est... Alors donc, il combine ça simplement en quoi il y a malheur. C'est qu'il peut y avoir toujours des mauvaises rencontres. Il dit, c'est comme la pierre, quand elle tend à tomber, elle tend à tomber suivant une voie qui est la voie droite, par exemple, et puis elle peut rencontrer un gros rocher qui l'effrite, qui l'a fait éclater. Bon, c'est vraiment un accident lié à la loi de la plus grande pente. Ça n'empêche pas que la loi de la plus grande pente, c'est le meilleur. Bon. On voit bien ce qu'il veut dire. Voilà donc un inconscient défini par
les petites perceptions, c'est à la fois des perceptions infiniment petites et les différentiels de la perception consciente. Et les petits appétits, c'est à la fois des appétits inconscients et les différentiels de l'appétition consciente. Vous voyez, il y a une genèse de la vie psychique à partir des différentiels de la conscience. D'où l'inconscient leibnizien, c'est l'ensemble des différentiels de la conscience. C'est la totalité infinie des différentiels de la conscience. Il y a une genèse de la conscience. Je dis, alors, bon, c'est vraiment un inconscient. L'idée des différentiels de la conscience, c'est fondamental. La goutte d'eau et l'appétit pour la goutte d'eau. Les petites fins spécifiques. Le monde de l'étourdissement, tout ça, ça fait un drôle de monde. J'ouvre une parenthèse très rapide. Alors, quoi, cet inconscient-là? Cet inconscient-là, vous le trouverez dans la philosophie, il a une longue histoire. En gros, on peut dire, c'est en effet la découverte et la mise en théorie d'un inconscient proprement différentiel. Vous voyez que cet inconscient, il est très lié. C'est pour ça que je disais un domaine psychomathématique, il est très lié à l'analyse infinitésimale. De même qu'il y a des différentiels de la courbe, il y a des différentiels de la conscience. Les deux domaines, le domaine psychique et le domaine mathématique, symbolisent. Alors, bon, je dis, si je cherche la lignée, à mon avis, là aussi, quel que soit, il y a toujours des antécédents, mais c'est Leibniz qui lance la première grande théorie de cet inconscient différentiel. Ensuite, ça ne cessera pas. Ça ne cessera pas. Il y a une très longue tradition de cette conception différentielle de l'inconscient à base de petites perceptions et petites appétitions. Et ça culminera notamment avec un très grand auteur qui a toujours été bizarrement inconnu en France, ou dont on n'a retenu que des choses très, très rudimentaires, à savoir un post-romantique allemand très bizarre qui s'appelle Fechner, qui est un disciple de Leibniz et qui développera la conception de l'inconscient différentiel. Je dis, si on dit, ah ben alors, Freud, qu'est-ce qu'il a apporté? C'est évidemment un non-sens. C'est évident que l'inconscient était une notion déjà très bien construite avant Freud. Mais ce qui est évident aussi, c'est que Freud rompt avec cette conception de l'inconscient différentiel. Et pourquoi, si j'essaie de dire très grossièrement, c'est pas que pour Freud, il n'y ait pas des perceptions inconscientes. Il y a aussi des perceptions inconscientes. Il y a aussi des désirs inconscients. Vous vous rappelez, dans Freud, il y a l'idée à la fois, la représentation peut être inconsciente, et en un autre sens, l'affect peut être inconscient. Ça répond à perception-appétition. Mais la nouveauté de Freud, c'est qu'il conçoit l'inconscient, dans un rapport, je dis là vraiment une chose élémentaire pour marquer une grosse, grosse différence, il conçoit l'inconscient dans un rapport de conflit ou d'opposition avec la conscience, et non pas dans un rapport différentiel. C'est complètement différent de concevoir un inconscient qui exprime des différentiels de la conscience, ou de concevoir un inconscient qui exprime une force qui s'oppose à la conscience et qui entre en conflit avec elle. En d'autres termes, entre la conscience et l'inconscient, chez Leibniz, il y avait un rapport de différence à différence évanouissante. Chez Freud, il y a un rapport d'opposition de force. Je pourrais dire, en effet, l'inconscient attire des représentations, les arrache à la conscience, c'est comme deux forces comme ça. Je pourrais dire philosophiquement, Freud, il dépend de Kant et de Hegel. D'ailleurs, c'est évident. Ceux qui avaient orienté l'inconscient, et qui l'avaient orienté explicitement, dans le sens d'un conflit de volonté, et non plus de différentiel de la perception, c'était l'école de Schopenhauer, que Freud connaît admirablement,
et qui dépendaient, qui descendaient de Kant. Donc il n'y a aucun lieu de ne pas sauvegarder l'originalité complète de Freud. Sauf qu'en effet, Freud a bien une préparation, il me semble, dans certaines théories philosophiques de l'inconscient, mais ce n'est certainement pas le courant leibnizien. Ce serait le courant Schopenhauer. Bon, mais enfin, voilà. Alors, pour en finir, enfin, parce que je voudrais dire ceci, bien, alors, on a ce schéma. Notre perception consciente, elle est composée d'une infinité de petites perceptions. Notre appétit conscient, il est composé d'une infinité de petits appétits. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais c'est complètement différent. Il est en train de faire une opération très bizarre, là, Leibniz. On a envie de protester. Si on ne se retenait pas, on protesterait tout de suite. On pourrait lui dire, mais d'accord, la perception, elle a des causes. Par exemple, ma perception du vert, ou ma perception d'une couleur quelconque, elle implique toutes sortes de vibrations physiques. Mais ces vibrations physiques, elles ne sont pas elles-mêmes perçues. De quel droit qu'il y ait une infinité de causes élémentaires dans une perception consciente ? De quel droit Leibniz en conclut-il que ces causes élémentaires sont elles-mêmes objet de perception infiniment petite ? Pourquoi ? Et qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit que notre perception consciente est composée d'une infinité de petites perceptions ? Exactement comme la perception du bruit de la mer est composée de la petite perception de toutes les gouttes d'eau. C'est quand même... Oui. Eh bien, si vous regardez de près les textes, c'est très curieux. Car ces textes disent deux choses très différentes, dont l'une est manifestement comme ça, dite par simplification, et l'autre exprime la vraie pensée de Leibniz. En effet, je reprends mon thème. Vous pouvez grouper ces textes, l'ensemble des textes sur les petites perceptions de Leibniz, en deux rubriques. Les unes sont sous la rubrique « partie tout ». Et à ce moment-là, ça veut dire « la perception consciente est toujours celle d'un tout ». Cette perception d'un tout suppose non seulement des parties infiniment petites, mais suppose que ces parties infiniment petites soient elles-mêmes perçues. Donc, la formule « la perception consciente est faite de petites perceptions », je dis que dans ce cas-là, « être fait de » égale « être composé de ». Être composé de. Et Leibniz s'exprime très souvent ainsi. Je prends un texte que je cite comme ça, mais il y en a beaucoup. Autrement, on ne sentirait point le tout s'il n'y avait pas toutes ces petites perceptions. On n'aurait pas conscience du tout. Là, j'invente pas, il ne dit que ça. L'organe des sens, vous voyez, ça c'est une approximation de la fonction de l'organe des sens. L'organe des sens opère une totalisation des petites perceptions. L'œil, par exemple, c'est ce qui contracte, c'est ce qui totalise une infinité de petites vibrations. Et dès lors, compose avec ces petites vibrations une qualité globale que j'appelle le vert. Ou que j'appelle le rouge, ou que j'appelle... Là, le texte est net, il s'agit du rapport tout-parti. Mais quand Leibniz veut vraiment dire... Et en effet, la comprenez, c'est pas manière d'être sournois, c'est que... Quand il veut aller vite, quand il veut se faire comprendre vite, il a tout intérêt à parler comme ça. Quand il veut vraiment... expliquer les choses, voilà, oui, ce serait l'opposition entre se faire comprendre et expliquer, quoi. Quand il veut se faire comprendre, il dit ça. Quand il veut vraiment expliquer, il dit autre chose. Il dit, la perception consciente dérive des petites perceptions.
c'est pas la même chose, est composé de ou dérive de. Dans un cas, vous avez le rapport partie-tout, dans l'autre cas, vous avez un rapport d'une toute autre nature. Alors, quelle autre nature? Le rapport de dérivation, ça aussi, ça nous renvoie à l'analyse infinitésimale, ce qu'on appelle une dérivée. La perception consciente dérive de l'infinité des petites perceptions. À ce moment-là, je ne dirais plus que l'organe des sens totalise. Remarquez que la notion mathématique d'intégrale, elle réunit les deux. L'intégrale, c'est ce qui dérive de, et l'intégrale, c'est ce qui opère une intégration, une espèce de totalisation. Et justement, c'est une totalisation très spéciale. Ce n'est pas une totalisation par addition, ce n'est pas une totalisation, c'est une totalisation d'un type très particulier. Alors là, ça devient intéressant. On peut dire, sans risque de se tromper, que même bien que Leibniz ne le signale pas, ce sont les seconds textes qui ont le dernier mot. Lorsque Leibniz nous dit « la perception consciente est composée de petites perceptions », ce n'est pas sa véritable pensée. On a toute raison de le dire, je viens d'expliquer pourquoi. En revanche, sa véritable pensée, c'est la perception consciente dérive des petites perceptions. Et qu'est-ce que ça veut dire, dérive de? Bon. Ben, vous rappelez le texte que je viens de lire sur le tout. Voilà un tout autre texte. Sinon, c'était sinon, on ne percevrait pas le tout. Voilà un texte différent. La perception de la lumière ou de la couleur dont nous nous apercevons, c'est-à-dire la perception consciente, est composé de quantités de petites perceptions dont nous ne nous apercevons pas, et un bruit dont nous avons perception, mais où nous ne prenons point garde, devient imperceptible, c'est-à-dire passe à l'état de perception consciente, devient imperceptible par une petite addition ou augmentation. Ah. Vous comprenez ? Là, on prend la lettre. Il ne dit pas par une totalisation. On ne passe plus des petites perceptions à la perception consciente par totalisation, comme le suggérait la première sorte de texte. On passe des petites perceptions à la perception consciente globale par une petite addition. Alors, on se dit, alors du coup, on croyait comprendre, on ne comprend plus rien. Une petite addition, c'est l'addition d'une petite perception. Alors on passe des petites perceptions à la perception globale consciente par une petite perception. On se dit, mais ça ne va plus. Oh. Du coup, on a tendance à se rabattre sur l'autre sorte de texte, au moins c'était plus clair. C'était plus clair, mais c'était insuffisant. Les textes suffisants, ils sont suffisants, mais on n'y comprend plus rien. Situation délicieuse. Sauf si on se rappelle. Ou si on tombe par hasard sur un texte voisin, où Leibniz nous dit. Il faut considérer que nous pensons à quantité de choses à la fois. Parlez pour lui. Il faut considérer que nous pensons à quantité de choses à la fois. Mais nous ne prenons garde qu'aux pensées qui sont les plus distinguées. Bon, vous me direz alors. Et alors, on continue et on tombe sur un autre petit fragment. Car ce qui est remarquable doit être composé de parties qui ne le sont pas. Ah. Car ce qui est remarquable doit être composé de parties qui ne le sont pas. Là, il est en train de tout mélanger.
Exprès. Formidable. Nous qui ne sommes plus innocents, on a repéré le mot remarquable. Et on sait que chaque fois, encore une fois, là je suis sûr d'avoir raison, chaque fois qu'il emploie notable, remarquable, distingué, c'est en un sens très technique. En même temps, alors, il met de la bougie partout, vous comprenez, il fait un coup diabolique. Car l'idée même qu'il y a du clair et du distinct, depuis Descartes, c'était une idée qui courait partout. Lui, il glisse son petit distingué dans le texte précédent. Nous ne prenons garde qu'aux pensées qui sont les plus distinguées. Il aurait dit, nous ne prenons garde qu'aux clairs et aux distincts. Il ne dit pas ça. Il nous prenons garde aux pensées qui sont distinguées. Comprenez le distingué, le remarquable, le notable, le singulier. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire alors? Nous passons des petites perceptions inconscientes à la perception consciente globale par une petite addition. Et oui, évidemment. Ce n'est pas n'importe quelle petite addition. Ce serait stupide à s'il voulait dire par l'addition d'une perception également inconsciente, également petite perception. Pourtant, s'il veut dire autre chose, alors il se contredit. Il ne peut pas dire non plus, en effet, on passe à la perception consciente par l'addition d'une perception qui serait elle-même consciente. Alors qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire, vos petites perceptions forment une série d'ordinaires. Ou une série dite régulière. Toutes les petites gouttes d'eau. Perception élémentaire, perception infinitésimale. Comment vous passez à la perception globale du bruit de la mer? Première réponse, si je récapitule tout. Première réponse. Par globalisation, totalisation. Réponse du commentateur, c'est-à-dire de vous et moi. D'accord, c'est commode à dire. Facile à dire, c'est bien. Alors moi, je ne penserai jamais vous penser à faire une objection. Je ne vais pas dire, ah ben ça ne va pas. Il faut aimer juste assez un auteur pour savoir qu'il ne se trompe pas. Que s'il parle comme ça, bon, il a le droit d'aller vite. Deuxième réponse, je passe par une petite addition. D'accord ? Petite addition. Donc ça ne peut pas être l'addition d'une petite perception ordinaire ou régulière, ça ne peut pas être non plus l'addition d'une perception consciente, puisque la conscience serait présupposée à ce moment-là. La réponse, c'est que j'arrive dans le voisinage d'un point remarquable. Donc je n'opère pas une totalisation, j'opère une singularisation. C'est par singularisation. C'est lorsque la série des petites gouttes d'eau perçues s'approche ou entre dans le voisinage d'un point singulier, d'un point remarquable, que la perception devient consciente. C'est une vision tout à fait différente, parce qu'il me semble qu'à ce moment-là, toutes les objections, une grande partie des objections qu'on fait à l'idée d'un inconscient différentiel tombe. Bon, et vous me direz alors, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut plus rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Les enfants. Voilà, vous avez compris? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Il semble qu'on ne s'en sort pas. En même temps, on en est déjà sorti. C'est le plus simple. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, viennent les textes qui paraissent en effet les plus complets de Leibniz. Vous vous rappelez ce qu'on traîne depuis le début? En fait, l'idée de petits éléments, c'est aussi une manière de parler. Car ce qui est différentiel, ce n'est pas les éléments. Et là, tu avais trop raison de le rappeler tout à l'heure. Mais on peut s'exprimer comme ça par commodité, c'est plus simple à dire. En fait, ce qui est différentiel, c'est les rapports.
Ce qui est différentiel, ce n'est pas dx par rapport à x, car dx par rapport à x, ça n'est rien. Ce qui est différentiel, ce n'est pas dy par rapport à y, car dy par rapport à y, ça n'est rien. Ce qui est différentiel, c'est... Et ce qui travaille dans l'infiniment petit, c'est dy sur dx. C'est le rapport. Alors, quel rapport? Bon, vous vous rappelez, au niveau des points singuliers, le rapport différentiel change de signe. Formidable, ça. Il est en train d'engrosser Freud sans le savoir. Au niveau de la singularité, il y a des croissances ou des croissances. Le rapport différentiel change de signe, c'est-à-dire le signe s'inverse. Dans ce cas de la perception, quel est le rapport différentiel? Pourquoi ce n'est pas des éléments, mais bien des rapports? C'est que ce qu'il faut voir, c'est en effet, ce qui détermine un rapport, c'est que précisément c'est un rapport entre les éléments physiques et mon corps. Les vibrations et les molécules de mon corps. Vous avez donc dy, dx. C'est le rapport de l'excitation physique à mon corps biologique. C'est ça le rapport différentiel de la perception. Donc, on ne parlera plus à ce niveau, comprenez. On ne peut plus parler exactement de petite perception, on parlera du rapport différentiel entre l'excitation physique et l'état biologique. En l'assimilant franchement, peu importe, en l'assimilant à dy sur dx. Or, la perception devient consciente lorsque le rapport différentiel correspond à une singularité, c'est-à-dire change de signe. En d'autres termes, par exemple, quand l'excitation se rapproche suffisamment. Je dirais qu'à la lettre, pour faire du Leibniz, il ne dirait pas ça, c'est la molécule d'eau la plus proche de mon corps qui va définir la petite augmentation par laquelle l'infini des petites perceptions devient perception consciente. C'est plus du tout un rapport tout parti, c'est un rapport de dérivation. C'est le rapport différentiel de l'excitant et de mon corps biologique qui va permettre de définir le voisinage de la singularité. Alors, voyez en quel sens Leibniz pourrait dire les inversions de signes, c'est-à-dire le passage du conscient à l'inconscient et de l'inconscient au conscient et du conscient à l'inconscient. Les inversions du signe renvoient à un inconscient différentiel et pas à un inconscient d'opposition. Pensez, quand je faisais allusion à la postérité de Freud, dans Jung, par exemple, avec la grande rupture Freud-Jung, je ne dis pas du tout qu'il n'y ait que ça dans Jung, hein, parce que c'est un tel mélange, Jung. Mais Jung a tout un côté leibnizien, d'ailleurs il connaît bien Leibniz, Jung. Et ce qu'il réintroduit là pour la plus grande colère de Freud, et c'est par là que Freud estime que Jung trahit absolument la psychanalyse, c'est un inconscient de type différentiel. Et ça, il le doit à qui? Il le doit à la tradition du romantisme allemand. L'inconscient des romantiques allemands, il est très très lié aussi à l'inconscient de Leibniz. Voyez donc que là, j'ai pu donner un sens rigoureux à la phrase même de Leibniz. On passe des petites perceptions à la perception inconsciente par addition de quelque chose de notable. C'est-à-dire, c'est lorsque la série des ordinaires arrive au voisinage de la singularité suivante. Si bien que la vie psychique, tout comme la courbe mathématique, sera soumise à une loi qui est celle de la composition du continu. Et pourquoi le continu est-il l'objet d'une composition? Il y a composition du continu puisque le continu est un produit. Le produit de l'acte par lequel une singularité se prolonge jusqu'au voisinage d'une autre singularité. Et que ceci travaille non seulement l'univers du symbole mathématique, mais l'univers de la perception de la conscience et de l'inconscient. À partir de là, on n'a plus qu'une seule question. Qu'est-ce que
le compossible et l'incompossible. Ça en dérive tout droit. Quelle heure il est? Bon, alors je termine juste là-dessus. Bon, voilà, compossible. Vous en pouvez encore, parce que si vous ne pouvez plus, il vaut mieux arrêter. Vous pouvez, ben, je ne sais pas ce que vous avez. Voilà, la formule de la compossibilité, on la tient. On la tient. Supposez que je dise ceci. Vous avez une singularité. Vous voyez, maintenant je peux dire, vous prenez le cas le plus simple, je reviens à mon exemple du carré, avec ses quatre singularités. Vous prenez une singularité. Et vous tracez, vous prenez cette singularité, ce point singulier, c'est un point. Vous le prenez comme centre d'un cercle. Hein, vous me suivez, là je ne fais pas le dessin. Vous le prenez comme centre d'un cercle. Quel cercle? Jusqu'au voisinage de l'autre singularité. En d'autres termes, A. Vous prenez A, vous prenez grand A dans le cercle AB, dans le carré A, B, C, D. Vous prenez grand A comme centre d'un cercle qui s'arrête dans la périphérie et au voisinage de la singularité B. B, vous faites la même chose. Vous prenez, vous tracez un cercle qui s'arrête au voisinage de la singularité A et vous tracez un autre cercle qui s'arrête au voisinage de la singularité C. Voyez, ces cercles se coupent. Alors, vous allez comme ça construire de singularité en singularité ce que vous pourrez appeler une continuité. Le cas le plus simple d'une continuité, c'est une ligne droite. Mais justement, il y a aussi continuité des lignes non droites. En quoi? Voyez, vous avez votre système de cercles qui se coupe. Vous direz, il y a continuité lorsque les valeurs des deux séries ordinaires, celle de A à B et celle de B à A, coïncide. Lorsqu'il y a coïncidence des valeurs des deux séries ordinaires comprises dans les deux cercles, vous avez une continuité. Donc vous pouvez construire une continuité faite de continuité. Vous pouvez construire une continuité de continuité. Le cercle, le carré sera une continuité de continuité. Si les séries des ordinaires qui dérivent des singularités divergent, vous avez une discontinuité. Bon, ça devient tout simple. Vous direz, un monde est constitué par une continuité de continuité. Première définition. Un monde est constitué par une continuité de continuité, c'est la composition du continu. Une discontinuité est définie lorsque les séries d'ordinaires ou de réguliers qui dérivent de deux points singuliers divergent. Troisième définition, le monde existant est le meilleur. Pourquoi? Parce que c'est le monde qui assure le maximum de continuité. Quatrième définition, qu'est-ce que le compossible? Un ensemble de continuités composées. Dernière définition, qu'est-ce que l'incompossible? Lorsque les séries divergent, lorsque vous ne pouvez plus composer la continuité de ce monde avec la continuité de cet autre monde.
divergence dans les séries d'ordinaire qui dépendent des singularités. À ce moment-là, ça ne peut plus faire partie du même monde. Vous avez une loi de composition du continu qui est vraiment, je reprends, qui est psychomathématique. Pourquoi on ne le voit pas ? Pourquoi il faut toute cette exploration de l'inconscient ? Pourquoi on ne le voit pas ? C'est parce qu'encore une fois, Dieu est pervers. La perversité de Dieu, c'est qu'il a choisi le monde qui impliquait le maximum de continuité. Vous voyez, calcul du maximum. Il a choisi le monde et fait passer à l'être, à l'existence, le monde qui impliquait le maximum de continuité. Seulement voilà, il a composé le monde choisi sous cette forme. Seulement, il a dispersé les continuités, puisque c'est des continuités de continuité. Il les a dispersées. Ça veut dire quoi ? On a l'impression qu'il y a des... dans notre monde, on a l'impression qu'il y a des discontinuités, qu'il y a des sauts, des ruptures. Comme il dit dans un terme admirable, on a l'impression qu'il y a des chutes de musique. Il y a des chutes de musique. Mais en fait, il n'y en a pas. C'est simplement que, par exemple, on a l'impression qu'il y a un fossé, ou certains d'entre nous ont l'impression, au contraire, il y en a qui ont l'impression qu'il n'y en a pas, mais certains d'entre nous ont l'impression qu'il y a un fossé entre l'homme et l'animal, une rupture. C'est forcé parce que Dieu, dans sa malice extrême, il a conçu le monde à choisir sous la forme du maximum de continuité. Donc, il y a toutes sortes de degrés intermédiaires entre l'animal et l'homme. Mais il s'est bien gardé de les mettre sous nos yeux. Au besoin, il les a mis dans d'autres planètes de notre monde. Pourquoi ? Parce que finalement, c'était bon. C'était bon pour nous que nous puissions croire à l'excellence de notre domination sur la nature. Si on avait vu toutes les transitions entre la pire bête et nous, on aurait été moins vaniteux. Alors, cette vanité, elle est quand même bonne parce que ça permet à l'homme d'asseoir son pouvoir sur la nature. Il dit ça, voyez, c'est pas une perversité de Dieu finalement. C'est que Dieu n'a pas cessé de casser les continuités qu'il avait construites. Pourquoi ? Pour introduire de la variété dans le monde choisi. Pour cacher précisément tout système de petites différences, de différences évanouissantes. Alors, il a proposé à nos organes des sens et à notre pensée débile, il a présenté un monde au contraire très tranché. On passe notre temps à dire « Ah, les bêtes, elles n'ont pas d'âme », comme disait Descartes, ou bien « elles ne parlent pas », ou bien tout ça. Mais rien du tout. Rien du tout. Il y a toutes les transitions, il y a toujours toutes les petites différences, etc. Voyez donc la définition à laquelle on arrive, c'est tout ce sur quoi je voulais terminer. Là, on tient quelque chose, une relation spécifique qui est la compossibilité, ou l'incompossibilité. Je dirais encore une fois, la compossibilité, c'est lorsque convergent les séries d'ordinaires, les séries de points réguliers qui dérivent de deux singularités, et lorsque leurs valeurs coïncident. Sinon, il y a discontinuité. Dans un cas, vous avez la définition de la compossibilité, dans l'autre cas, la définition de l'incompossibilité. Question encore une fois. Pourquoi Dieu a-t-il choisi ce monde plutôt qu'un autre, alors qu'un autre était possible ? Réponse de Leibniz, qui à mon avis devient splendide. C'est parce que c'est le monde qui mathématiquement implique le maximum de continuité. Et c'est uniquement en ce sens qu'il est le meilleur, des mondes possibles. Voilà, donc je voudrais juste que vous reteniez, finalement tout est construit autour de quoi ? Si vous voulez, voilà ce que c'est qu'un concept. Alors ça devient très, très... Vous voyez, un concept, c'est toujours un complexe. Un concept, c'est toujours quelque chose de très complexe. Notre séance d'aujourd'hui, on la met sous le signe du concept de singularité. Or, le concept de singularité a comme toutes sortes de langages qui se réunissent en lui. Un concept, il est toujours à la lettre polyvoque. Il est polyvoque nécessairement. Puisque le concept de singularité, vous ne pourrez le faire saisir que à travers un minimum d'appareils mathématiques. Les points singuliers par opposition aux points ordinaires ou réguliers. Au niveau d'expérience de pensée de type psychologique,
qu'est-ce que l'étourdissement, qu'est-ce qu'un murmure, qu'est-ce que la rumeur, etc. Et au niveau de la philosophie comme concept, dans le cas de Leibniz, la construction de cette relation de compossibilité. Et il faudra que les trois, et c'est pas que c'est une philosophie mathématique, pas plus que les mathématiques ne deviennent philosophie, mais dans un concept philosophique, il y a toutes sortes d'ordres différents qui nécessairement symbolisent. Et déjà là, je dirais, c'est vrai pour tout concept philosophique, que c'est un concept philosophique, qu'il a, il a une tête philosophique, il a une tête mathématique, il a une tête d'expérience de pensée, une tête psychologique. Et c'est vrai de tous, c'est vrai pour tous. Alors je crois que ce fut un grand jour pour la philosophie lorsque quelqu'un a attiré l'attention sur ce couple insolite. Et c'est ça que j'appelle une création en philosophie. J'appelle ce couple insolite, je veux dire, bah oui, lorsque Leibniz a lancé ce truc, vous savez, singulier, voilà exactement l'acte de création. Lorsque Leibniz nous dit, vous savez, singulier, réfléchissez bien, il n'y a pas de raison que vous l'opposiez simplement à l'universel. C'est beaucoup plus intéressant si vous écoutez un peu ce que disent les mathématiciens, qui eux, pour des raisons qui sont les leurs. Au contraire, pense singulier, non pas en rapport avec universel, mais en rapport avec ordinaire ou régulier. Alors, il ne fait pas des mathématiques à ce moment-là. Je dirais, son inspiration est mathématique, et il va faire une théorie philosophique, notamment toute une conception de la vérité, qui est radicalement nouvelle, puisque ça va consister à dire, faites pas trop attention aux histoires du vrai et du faux. Vous ne demandez pas dans votre pensée ce qui est vrai ou ce qui est faux. Parce que ce qui est vrai et ce qui est faux dans votre pensée, ça découle toujours d'autre chose de plus profond. Ce qui compte dans une pensée, c'est ce qui est remarquable, c'est les points remarquables et les points ordinaires. Et il faut les deux. Si vous avez des points singuliers dans une pensée, vous n'avez pas de méthode de prolongement. C'est zéro. Si vous avez des points ordinaires, vous avez intérêt à penser autre chose. Ça se vaut tout ça. Hein. Et plus vous vous croyez vous-même remarquable, moins vous pensez de points remarquables. Forcément. Forcément. En d'autres termes, la pensée du singulier, c'est la pensée la plus modeste du monde. C'est là que le penseur devient nécessairement modeste. Parce que le penseur, c'est le prolongement sur la série des ordinaires. Mais la pensée, elle éclate dans l'élément de la singularité. Et l'élément de la singularité, c'est le concept. Voilà, salut, au revoir.